Bon, alors, si vous connaissez pas Logiverst, jeu très simple. En gros, on va devoir créer un parti politique. Ce parti politique, on va devoir l'amener à la tête du gouvernement français. Concrètement, on prend la gouvernance de la France. Voilà, je deviens président de la République. Un parti qu'on va appeler le PAB, qui ne change pas beaucoup de d'habitude. Mais, parce que c'est vrai qu'avant, on avait la divinité. Le PAB est le parti anti-bouffon. Voilà. Qu'on aurait pu appeler le PAF, le parti anti-fombou. Parce que c'est vrai que fombou, j'aime bien aussi. C'est quelque chose que, j'apprécie. Voilà. Il est vrai qu'on apprécie un petit peu ça. ça nous arrive. Merde. Attendez, je me... Merde, c'était pas prévu. Je me mouche. Je me mouche et j'arrive. Un président de la République ne peut pas se moucher comme ça de manière aléatoire. Il y a des timings importants pour se moucher. Directement. Oui, ouais, je suis de retour. Excusez-moi. Mets une pub. Ah, c'est beau. Vous voulez directement soutenir le parti à ce point, vous. Vous êtes vraiment des... Ah bah... Pourquoi ça marche pas? Je vais démarrer en 2020. Pourquoi y a... Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est bon, ça a marché. J'ai cru que ça buguait. Tout va bien, ça sent encore l'échec. Alors, j'avais déjà joué avec la divinité. Un parti politique, c'est vrai, un peu borderline. Un parti politique où il est vrai... On ne savait pas trop quoi faire. On s'est dit que ça pouvait être un peu compliqué, justement, d'amener la divinité au sommet. Le jeu est très simple, honnêtement. Ça va juste être des décisions, à des moments, des lois. Il faut savoir de quel côté on se met. Il y a des élections tous les ans où on a des sièges. Donc, du coup, à l'Assemblée, il faut avoir de plus en plus de sièges. Plus t'as de sièges, plus tu peux avoir d'impact pour faire élire des lois ou non. Et ensuite, il y a, donc, du coup, entre les deux partis les plus importants, une élection présidentielle. Donc hyper simple. JJ, merci beaucoup pour le Prime. On est parti tout de suite. Est-ce que je me mets... Ah, c'est vrai que c'est chiant, on savait jamais trop où se mettre. Voter, pas élire. Ouais, c'est voter, pardon. Ah non, c'est pas ça. Attendez deux secondes. Hein. Comment je me mets ici? Stylé visuellement. Alors c'est un jeu qui coûte 5,99€. Hein. Donc non, mais si je me mets là, on avait déjà dit que c'était un peu naze. Hein. Alors les idéologies du parti... Alors c'est vrai! C'est vrai que moi, je crée le parti anti-bouffon et... Alors bon, c'est quand même marqué dessus, hein, on fait un choix. C'est-à-dire, voilà, il y a quand même un tri à l'entrée. Pas présidentiel, mais président de l'Assemblée nationale. Mais bon, ouais, mais là, moi, je suis en coup d'État, si tu veux. Donc, les émotes goulags prennent tout leur sens avec ce demi-2022. La catégorie du stream, le jeu n'existe pas sur Twitch. Je suis désolé. Voilà, je m'excuse, tout simplement, de soutenir des jeux indés, d'essayer de... Voilà, de faire valoir au final ce développement de jeux vidéo qui ne dépend pas, voilà, que des multinationales, que des jeux AAA, voilà, que des blockbusters qui sortent en permanence. Je suis vraiment désolé de faire ça. Premier jour, un objectif, arriver aux élections et entrer au Parlement. Ça, on devrait le faire. On devrait s'en sortir. Alors, si jamais vous connaissez pas du tout, en haut à gauche, ça c'est l'économie de la France. Donc là, pour l'instant, elle progresse, voyez-vous. Si jamais c'est trop la merde, on perd automatiquement. Le but global, en fait, c'est d'amener la France... parce que je me retrouve dans mes trucs, moi. Voilà, c'est d'amener la France au sommet du monde, concrètement. Hein. Si, c'est assez simple, hein. c'est le but. Je sais plus où on voit ça, d'ailleurs. Je sais plus où on voit le classement. Ah, le classement monde est là. Le but, en fait, c'est d'amener... Il y a 17 nations... le but, la France est pour l'instant 9e, c'est de l'amener le plus haut possible. Ça, c'est par exemple des gestions de nourriture, comment ça se passe. Ça, c'est les thunes, tu vois. Nous, par exemple, en France, on est... Non, c'est la population. On est 100 pour l'instant en France. On voit, les États-Unis sont 131, ils sont beaucoup, pas mal de Turcs, beaucoup de Brésiliens, un petit peu moins de Suisses, forcément, un peu moins de Polonais, un peu moins de Suédois. Donc, va falloir qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Pour l'instant, c'est États-Unis-Brésil. On est 9e. Donc, on va suivre ça. Et il faut donc, pour l'instant, la France... Comment ça se passe? La France est capitaliste. Voilà, donc ça, c'est la population. La population, donc, il y a 26% de capitalistes, 19% de conservateurs, 15% de mondialistes, 15% d'environnementalistes, socialistes et nationalistes. Les petites icônes que vous voyez là, c'est que, par exemple, les capitalistes, ils veulent des lois en faveur du logement, des maisons, quoi. Les conservateurs, les mondialistes, eux, ils veulent plus de sécurité. Donc, du coup, en fonction des tendances de la population, il va falloir faire passer des lois qui vont plus ou moins dans le sens des gens, tout en ayant
une ligne directrice. Voilà. Sachant que ma ligne directrice, encore une fois, c'est d'avoir le pouvoir. Et ça, ça fait très plaisir. Alors, donc pour l'instant... Oh merde, je devais faire... Ah oui, alors j'ai de l'argent. Oh putain, ça commence mal. J'ai de l'argent et tout, il faut faire... Ouais merde, il faut faire des interviews et tout. Alors parce que, attendez, le parti anti-bouffon, il est con... Il y a qui? Alors il y a Adam. Alors, donc ça c'est pour l'instant les gens que j'ai avec moi. On relance. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Reset, non, on n'est pas à ce point, hein. La game est pas foutue. Hein. Je postule au ministère de la musique direct si t'as un poste. Oh là là, Roots Wayne, fais-nous du son. Alors on a Adam, donc Adam qui a 31 ans, un peu populaire, un peu d'expérience, très loyal. Pour l'instant, j'ai que des mecs loyaux. Lucille et Amélie, et on a potentiellement Mathieu qui veut nous rejoindre, mais ça m'intéresse pas. Adam et Lucille, c'est nos deux têtes de proue, là. Donc là, on va déjà se faire une petite interview pour se faire connaître. J'ai dit des mecs loyaux. Ah oui, c'est les chevals, là. Là, c'est les chevals. Les socialistes sont en train de remonter, hein. Les mondialistes sont en train de tomber. On va essayer d'aller chercher du socialiste. On va faire une petite interview dans le journal Bonjour. Voilà. Pour faire parler un peu de nous. Pour l'instant, on ne nous connaît pas du tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette... Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait peut-être bien parler d'une loi, en vrai. Dès le début. Une loi qui consiste à quoi? Subvention à l'agriculture. Je pourrais grave me faire des recherches agroalimentaires. Des subventions à l'agriculture, ça ferait augmenter la note de bouffe. C'est bien la note de bouffe, hein. On pourrait augmenter la note de bouffe, hein. Je vais bien parler de cette loi, moi. Allez, on y va. Windows the Frog, merci beaucoup pour le Prime. Les chevals, aïe. Ouais, c'était pour marquer le fait que j'avais fait une faute de français, en fait. C'est une... Il s'est rien passé? J'ai 8,19% des votes pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, là? Vous m'aimez pas plus, les socialistes? Alors, là... Oh, on a 66 sous. Oh, c'est vrai qu'on démarre au début, on est naze, hein. Oh, on est naze, là. Donc, on a récupéré 66 balles de collecte de fonds. Vous êtes pour l'instant pas très généreux. Mais tout va bien. On a de l'argent un peu sale. Alors, notre mission principale, c'est... Première nation à atteindre 100, donc ça, on a le temps. Arriver aux élections et entrer au Parlement. Donc là, ça va se faire le 10. J'ai encore 100 balles. On a moins de 8%. On a moins de 8% des gens qui pour l'instant nous kiffent. À l'heure actuelle, je pense que l'erreur qu'on avait fait, c'est que tous les partis nous détestaient. Vous vous souvenez? Tout le monde nous détestait. On était vraiment des enculés. Il nous faut des flyers, peut-être? C'est vrai qu'Amélie pourrait faire un peu de distribution de flyers. Non, c'est Lucille qui va faire distribution de flyers. Voilà, un peu de distribution de flyers, ça va faire du bien. Suchi, merci beaucoup pour le 22e mois. Alors, on gagne un peu, 0,20%. Moi, je pense qu'on va y aller comme ça en gardant des sous. Première élection, notre but, c'est juste d'arriver... tranquillement d'avoir un siège ou deux. Oh merde, moins de 8%. On va à l'élection. Oh le pub. J'ai trois sièges. J'ai mes trois gars. C'est parfait, j'ai mes trois gars. Honnêtement, c'est parfait, j'ai mes trois gars. C'est exactement ce que je voulais. Pour l'instant, les partis qui marchent beaucoup, c'est donc les Républicains en bleu. Donc là, en gros, ce que vous voyez ici à l'Assemblée, c'est les différentes parties. Donc les Verts ont trois sièges. Moi, j'ai trois sièges. Il y a quand même 8 sièges pour les socialistes, 7 sièges pour le Parti Nationaliste et 9 sièges pour les Républicains. Faut peut-être qu'on commence à sucer un peu. Voilà. Je sais pas. Parce que pour l'instant, il va y avoir des lois. Nous, on va pas pouvoir faire grand-chose. Concrètement, on va juste être... On va juste être au milieu. Pour 8%. Tu vois, les gens vont bien nous aimer. Il va y avoir, entre les socialistes et les républicains, un vote pour savoir qui va être président, là, de l'Assemblée. Qui l'est, Maxime ou Adam? Maxime, Adam, c'est Maxime. Oh, c'est les socialistes. C'est les socialistes, comment je m'entends? Moi, je m'entends bien avec les représentants, pour l'instant. Je m'entends bien avec les représentants. Ah, putain. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir qu'on fasse des interviews et tout, hein. Faut pas qu'on fasse rien. Hein. Mais en même temps... Attends, c'est quand le... Eh, c'est semaine 40. Semaine 40, on a une prochaine élection, va falloir être présent. Donc faut juste qu'on suive un peu les tendances. Non mais je suis en train de tout perdre là. Il me faut une interview, j'ai 6% des gens. Tout le monde s'en fout de moi là. Mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je fais une loi? Oh, c'est osé, hein. Je pourrais attendre un peu, et genre vers le 30, vers le 27, dire que je vais faire une loi, et faire une loi, et faire une loi. Plus tu prépares à l'avance, plus ça aura de l'impact.
Ah sinon je le recrute. Non, j'ai pas besoin de recruter pour l'instant. Pour l'instant, je suis dans la merde. Go FM, wesh. Attention, Cayman. Je sais très bien que quand je joue à un jeu, on respecte le jeu auquel je joue. Sinon on vient pas. Je suis pas ta pute, quoi. N'hésite pas toi-même à lancer un jeu, mais respecte-moi. À défaut de m'aimer. Bon. Il y a du délai sur l'impact. Ah, donc en fait, si on fait une interview pour dire qu'on va faire une loi, et ensuite on fait la loi là, ça peut être très fort. Ça peut être très très fort, ça. Là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose. Alors attends, qu'est-ce qui se passe dans les lois? Alors pour l'instant, les lois, les gens les aiment pas trop. Donc ça, c'est le bonheur. Pour l'instant, le bonheur est bien. Les finances sont très bien. Le truc, c'est que il faut pas que ça soit trop la folie. Il faut pas que ça soit trop la folie pour les gens quand c'est pas moi au gouvernement. C'est ça qu'on s'était dit, tu vois. C'est quand c'est trop la folie, c'est un peu la merde. Ah ouais, c'est ça que je me dis, là. Il me fait rire l'onglet corruption. Ah bah là, on peut blanchir des sous, hein. Attends, j'attends un jour. 6,86. Là, je vais faire une interview ici, là. Nouvelle interview, et c'est Adam qui va y aller. Et média... Ah ouais, mais tu vois, c'est un média nul, là. C'est un média qui parle aux environnementalistes. Moi, je veux pas parler aux environnementalistes. Prépare tes actions à l'avance. Ouais, mais tu vois, du coup, je vais parler aux citoyens. Ça va pas me coûter très cher. Ça va pas servir à grand-chose. C'est parfait. Tu vois, on est un petit parti. On fait déjà élever la démocratie, écrire et approuver une loi. Boum, je leur dis que je vais faire ça. Clac. Donc ça se passe très bien. Les gens commencent à me connaître. Je vais repasser au-dessus des 7%, là, je le sens. 5%, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un législateur est impliqué dans un scandale de corruption? Bah Adam, celui qui vient de faire l'interview? Bah Adam, Adam, merde! On avait dit qu'on prenait pas l'argent. Ah Adam, qu'est-ce que tu nous as foutu, là? Qu'est-ce qu'il a branlé, le con? Ah, mais je dois le virer, hein. Ah, je le vire, hein. Ah, je peux pas le virer. Parce qu'il est président. Ah, ça devient Lucille, la leader. Ah, je vire Adam. Adam est viré. Ah, il y a Mathieu qui a rejoint. Parfait. Tu peux pas le virer. Si, il est directement viré, hein. Oh là là, mais là, c'était terrible, ça. Bon, on va faire un truc pour les maisons, là. On a le choix entre les routes ou les maisons. Les gens veulent des maisons. Moi, je fais des maisons. Ça me paraît assez bien. Putain, Adam full goulag. Adam derrière les barreaux. Ah, oh, ça allait très vite. Ah, oh, mais j'ai moins de... J'ai 4%. Mais c'est trop dur. Recherche agroalimentaire. Non, on la garde. Pour moi, faut la garder. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vote ou on abolit des lois. À savoir que, donc là, vous voyez que tous les gens, à part lui, ont voulu garder cette loi. La recherche agroalimentaire, c'est bien. On a de l'argent, on n'a pas besoin de choper plus d'argent. Donc, plus t'as d'impact, plus t'as de gens ici, plus t'as d'impact sur les lois, et plus tu peux faire un peu ce que tu veux et t'orientes le gouvernement là où tu veux. C'est le principe un peu de la politique. Pourquoi t'as pas renommé le parti avec les vrais noms? Bah, il y a les Républicains, il y a les Socialistes. Ils sont où, là? Il y a le PNL du FN, ouais, j'aurais pu, il y a les Verts. En mouvement, c'est en marche. On comprend à peu près quand même, quoi, tu vois. Non, mais j'ai 4%, là. Bon, il faut écrire une loi. C'est Lucille qui va écrire la loi. Lucille qui a 2 de popularité, hein. Lucille qui est en train de progresser, hein. Lucille, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Lucille, je pense qu'il faut qu'elle fasse une subvention à l'agriculture. Ça peut être bien, ça. Ça peut nous rapporter... Mais est-ce que quand je fais des lois, les gens s'en rendent compte? Ou zéro? Parce que je pense qu'une petite subvention à l'agriculture, je vais me faire respecter. Comme ça, je vais avoir les agriculteurs dans la poche. Mais faut qu'ils le sachent que c'est moi qui l'a fait, hein, la loi. J'ai moins de 4%, putain! Mais on me pisse à la gueule, là! J'ai 3,6%! J'existe pas dans le monde. Il y a la loi. Subvention à l'agriculture, j'approuve, moi. Approuvez, hein. Soyez pas des chiens. Je comprends rien, ça a l'air full random. Non, c'est pas si random. Ok, donc là, du coup, écrire à approuver une loi, j'ai dit que je le ferais, je l'ai fait. Donc normalement, là, ça va remonter parce que les gens voient qu'on peut me faire confiance. Ah, vas-y, je suis à moins de 3%, je joue pas pour ça. Il me faut une interview, là, il faut qu'on tape fort. On envoie Lucille, dire bonjour, c'est juste de l'interview, de la découverte là. 2,9%, ça remonte. 3,33%, c'est bon, les gens ont enfin compris que voilà, on servait à quelque chose.
Un moyen quand même. Bon, Lucille va faire l'interview. Bonjour. Qu'est-ce que je dis ? Bien parler d'une loi. Ah mais je suis un suceur, je peux pas bien parler de la loi que je viens de faire passer. Enfin, il y a un moment où il faut que j'arrête aussi. Là, je suis en... Ça devient grave, là. Condamnation pour vol, sinon je me fais les condamnations. Oh, après, on essaye. Hein. Vas-y, j'essaye. Je parle bien de la loi que je viens de faire. Pendant ce temps, Mathieu, il va commencer... Ah, Mathieu, il peut pas faire des flyers ? Ce serait bien qu'il fasse, hein. 3,3%. Mais on est au fond, là. Ah non, il nous faut un autre gars qui fasse des flyers. Ah, je vais mettre... J'embauche Mathieu, il va nous faire des flyers. Lui va nous distribuer des flyers. Il va nous distribuer des flyers. Je vais faire un peu de... Je vais blanchir un peu d'argent. En soum-soum. En soum-soum, je décide de blanchir un peu d'argent. Je pense que c'était nécessaire. Mathieu va nous faire full flyer, là. 3,5%. 3,8%. Il faut que ça remonte, hein. Mais 3,4%, mais je suis au fond du trou, je suis un parti de merde. Vote des citoyens. Oh bah c'est pas mal que les citoyens votent, quand même. C'est quand même assez plaisant, hein. Oh, on est au fond, là. 3,8%. Il y a un sondage. Qu'est-ce qu'ils veulent, le sondage ? Quelle loi aimeriez-vous voir approuvée ? La prohibition des armes. Donc, il y a les conservateurs, ici, qui sont là ? 3,4%. Mais je vais perdre tous mes sièges. C'est le vote. J'ai 3... C'est terrible. J'ai un siège. J'ai que Lucille. Oh, le parti anti-bouffon qui prend pas du tout. Oh, le parti anti-bouffon qui est en train de... Le parti anti-bouffon qui connaît vraiment une famine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que je dois faire, là ? Mais je vais être à zéro. Je vais legit être à zéro. Mais les gens m'aiment bien. Honnêtement, les gens m'aiment bien. Le parti anti-bouffon se fait bouffer. Mais j'ai moins de 3%. Légaliser la prostitution. Oh, j'approuve. Putain, ça se passait si bien la dernière fois. J'étais à deux doigts d'être... Oh, légaliser la prostitution. Oh, ils ont décliné. Cette société puritaine. Oh là là, vous êtes pas en avance, hein. Vous avez reçu un petit don d'un partisan inconnu. Ah ! On va se refaire ! On va se refaire, on va se refaire. On va se refaire. Non mais je pense que c'est Adam qui nous a foutu dans la merde. Il nous a foutu un scandale, le mec. C'était ingérable. Je pense que je vais sucer les républicains. Voilà, j'en suis là. C'est triste, hein. Taxe sur le revenu. Ça peut être pas mal. On la garde. Oh, ils veulent l'abolir. Mais on est en full thune. On se fait déjà full thune. Ah mais du coup, on perd tellement de thunes ! Oh, l'économie va être niquée ! Mais ça c'est... Vas-y, je fais une interview, je vais sucer les républicains. C'est bon, c'est décidé. Mais c'est un parti mondialiste. C'est nul là quand c'est mondialiste parce qu'il y a personne dedans. Ah mais du coup, je vais faire avec le citoyen. Ça me coûte rien. Ce qui est bien, c'est que ça rapporte rien aussi. Bien parler d'un parti. Les représentants. Ah sinon, je suis juste les socialistes, c'est peut-être mieux, hein. Comme ça, je me remets mieux avec eux. En vrai, je me remets mieux avec eux et ils sont au pouvoir. Vas-y, je fais ça. Non, mais comment ça ? J'ai bien parlé des socialistes. Et c'est les représentants là qui maintenant me kiffent, du coup. Intéressant. Ça me plaît pas trop, ça. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, là. Je trouve ça un peu louche. Ah, je sais plus quoi faire, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Je vais faire une mission à Lucille pour qu'elle devienne plus connue. Tu vois ? Plus connue, ça peut être bien. Moi, j'approuve la limite de mandat présidentiel, hein. Faut que ça tourne. Eh, tout le monde a envie de jouer, les gars, hein. Soyez pas perso. Il y en a qui sont à moins de 4% de vote, hein. Putain. Ah, c'est terrible. Oh, le Besancenot simulateur, il fait mal. Argent, électeur. Bon, on a des points. Mais la France se porte au mieux, là. La France est première. Ah, mais dès que je suis pas au pouvoir, la France est super. On a un bon budget. Corruption qui a augmenté un peu.
La France a trois pommes. La France est sublime en nourriture aussi. Nourriture, on va peut-être pouvoir faire des lois pour ça. Ah, c'est difficile, là. Hein. J'attends. J'attends, pour l'instant, je fais rien. Fais gaffe à la crise. Ouais, c'est la crise, là. Hein. 3,9. C'est bon, les maisons. Allez, les gens veulent de la sécurité. Hein. Les gens veulent de la sécurité, il faut que je fasse un truc pour la sécurité, moi. À combien on me donne? On me donne 46. J'ai un peu de sous, hein. J'ai un peu de sous, c'est pas si mal. Je blanchis de l'argent. Je reblanchis, je vais faire un gros coup, là. Là, je vais faire un gros coup. Oh, mais je peux pas, j'ai Lucille qui est en... Oh là là, condamnation pour vol. Faut qu'on la police. Ah oh non. Ça aurait été trop bien de l'abolir. Et ensuite, je fais passer une loi, mais c'est trop con. J'aurais fait passer une loi derrière pour justement la sécurité. Ça aurait fait plaisir. Je suis à 4,9%. Il faut qu'on fasse une interview. Je fais une interview, mais je peux pas envoyer Lucille. Putain, on est mort. On est mort. Je vais voir. C'est Amélie qui va voir le bonjour. Amélie va voir bonjour pour faire une interview et pour dire qu'on va faire une... On va bien parler d'une loi. Il voulait quoi déjà? Attendez. À un moment, il voulait un truc. Il y avait eu un sondage comme quoi les gens voulaient quelque chose. La prohibition des armes. Ah mais non, là on est dans un journal... on va être dans un journal mondialiste où les mecs veulent full sécurité. Je peux pas faire la promotion de bien parler d'une loi qui abolit. Non, la condamnation pour vol. Hein. Si je parle de la condamnation pour vol positivement, je pense que je chope bien les gens. Mais stop de bien parler, faut que tu critiques le gouvernement en place. Ouais, c'est pas faux ça. Sinon, je parle mal d'une loi. Mais c'est trop bizarre parce que les gens veulent ça. Je veux pas mal parler de la prohibition des armes. Tu vois ce que je veux dire? 2 jours après avoir voulu l'abolir. Moi, je veux juste tailler les socialistes, en fait. Je veux juste tailler les socialistes. J'accuse le président, sinon. Bah si, mais non, mais il voulait que ça passe. Le peuple, il y a eu un sondage, il voulait que ça passe. Quelle loi aimeriez-vous voir approuver la prohibition des armes? Je vais pas dire que c'est de la merde. Or qu'il voulait. Bah si, justement. T'as pas assez d'impact pour parler. Bah du coup, je dis quoi? Sinon, j'écris et j'approuve une loi. Hein. Sinon, j'écris une loi et je la fais passer. Et la loi, je fais un truc genre sécuritaire. Hein. Ça peut être bien, ça. Mais c'est ça que j'hésite. Tu comprends prohibition ou non? Bah... Oui. Concrètement, là, les gens ne veulent pas avoir d'armes. Le sondage a dit ça, tu vois. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est plus d'éducation, moins de sécurité. Parce que, soi-disant, les gens n'ont pas d'armes, donc moins de sécurité. Sauf que les gens qui dominent la France, ce sont à 25% les conservateurs qui veulent de la sécurité et les mondialistes qui veulent de la sécurité. Donc, bien parler d'un truc anti-sécuritaire, or que les deux représentent 40% des Français, c'est une erreur. C'est une erreur, mon gars. Je te le dis. Je vais faire une loi. Prohibition des armes amène la sécurité. Non mais parce que là, soyez pas aussi logique les gars, c'est un jeu à 6 euros. On vous dit que si tu dis ça, c'est contre sécurité, c'est que c'est contre sécurité. Tu vois, allez pas, là vous êtes... Ou fais-moi une petite disserte sur le côté, tu vois, tu me l'envoies par mail à côté tranquillement, mais... Euh... 5%. Je suis en train de remonter. Je suis en train de remonter très fort. Là, je vais faire la loi. Là, je vais faire la loi. Et Lucille... Ah, Lucille peut pas faire la loi. Lucille est en haut charbon. Lucille est en pleine mission. Oh, j'ai dit que j'allais faire une loi, je peux pas la faire. Oh, faut que Lucille revienne. Oh, il y a du changement. Il y a du parti en mouvement qui va chez du parti nationaliste. Oh, c'est la guerre. Oh, c'est la guerre, j'ai 5%. Oh, je sens que je pèse, là. Je sens que je pèse dans la balance. Tout le monde m'aime bien. Tout le monde m'aime bien, sauf les socialistes. Oh, il y a une grève. Ça manifeste. Les gens vont commencer à ne pas être heureux. J'ai plus de 5%. J'ai moins de 5%. Faut qu'elle arrête. Arrête de faire ta mission, toi, s'il te plaît. Reviens parmi nous. Soutiens la grève. Je peux pas manifester, moi. J'avoue que si je soutenais la grève, c'était propre.
Va falloir que... Non, parce qu'en fait, là, on peut pas critiquer le gouvernement parce que les gens sont trop heureux, là, pour l'instant. En fait, il faut faire baisser le bonheur, donc il faut faire des grèves, et ensuite, on va pouvoir faire ça. Un membre est revenu d'une mission. Le reward est passé. Parfait. Du coup, là, on va faire une nouvelle loi. La nouvelle loi, c'est Lucille qui va l'écrire. Elle a plus d'expérience maintenant, donc elle va faire plus rapidement les lois. Et qu'est-ce qu'on fait passer comme loi? Qu'est-ce qu'on fait passer comme loi? Qu'est-ce qu'on fait passer comme putain de loi, là? Putain, on est niqué, là, en vrai. On peut faire passer une loi... Bah, la prohibition des armes. Les gens voulaient ça. Les gens voulaient ça. Les gens voulaient ça. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il fait. Vas-y, je le fais. Les gens, il y a eu un sondage, ils voulaient ça. Ils vont bouffer ça. C'est bon. Alors, est-ce qu'on préfère les routes ou les écoles? Bah, les écoles. Ça va mettre plus de temps, mais allons-y pour les écoles. Oh, moi, j'ai un vote. Je sers à rien. Je sers à rien, j'existe pas dans le paysage. 4,28%. Ah, approuvez, s'il vous plaît, approuvez! Et ouais, parce que les gens, oh, ils ont décliné. Ils ont décliné, j'aurais dû faire un truc pour le logement. Je refais une deuxième loi. Je refais une nouvelle loi. Oh, on est en loose day, là. C'est fini. Oh putain, c'est terrible. Un truc sur le logement. Le logement, c'est bien. Logement public. Logement public. Boum, je renvoie une loi sur le logement public. Logement public, tu ne peux pas ne pas approuver. Logement public, j'approuve, moi. Et par contre, on va perdre encore plus d'argent. Tu bouffes tout ton pognon, PA. Ouais, mais voilà, mais au moins... On tient nos promesses. 4,8. Faudrait que ça remonte là un peu. 5,2. J'ai pas fait de flyers. J'aurais dû faire des flyers, ça aurait été incroyable, on aurait tout cumulé. 5,3. On est en train de revenir. On est en train de revenir très fort. Les gens nous voient comme potentiellement des dangers. Ok, là, c'est bon, là. C'est gentil, Lolo, merci beaucoup. Allez. Bon, 5,3, on était au courant. Mais c'est... On a deux sièges. On gagne un siège. On vient de doubler nos effectifs à l'Assemblée. C'est magnifique. Il faudrait peut-être que je recrute Sébastien, qui a un peu de popularité. Ça pourrait être pas mal d'avoir Seb. Mais la loi, loin, pas le jour ou la veille. Ouais, mais du coup, je pensais que ça allait passer avant. 5,4, on est en train de prendre le terrain. C'est bon. C'est bon, on est lancé. Ça a mis un peu de temps, mais là, on est lancé. On savait que ça allait être dur. Mais en vrai, il faut... Moi, j'abolis ça. J'abolis, on a déjà full pomme. On a déjà full pomme. On est déjà bien sur la nourriture. On est en galère dessous, là, c'est la crise. Et ouais, ce gouvernement, forcément, qui met tout le monde bien, mais vous vous rendez compte des dettes qu'on a? Oh, faut que les Républicains passent au pouvoir, là. Oh là là, c'est les socialistes encore. Ah, oh, c'est mauvais pour nous, là. Là, on a un start difficile, hein, de notre côté. On est à 6%, quand même. C'est beau, ce qui se passe. Limite de mandat présidentiel. Ah, oh, j'approuve. J'approuve. On n'en peut plus, là. On n'en peut plus, là, des gens qui restent tout le temps, là. Ah, mais Adam, il est là-bas, là? Il est dans un autre parti, maintenant? Adam U, putain. Oh, il est parti chez les Républicains avec un scandale au cul, sans souci, quoi. Oh, les enculés. C'est ouf. 5%. C'est quoi notre strat, là? 6%. Ah, les gens préféraient avoir une femme. Mais ça tombe bien, j'ai Lucille, moi, en plus. Sébastien, il nous coûterait 30. Vous pensez qu'il faut recruter Sébastien? 6,04, on est en train de remonter. Légaliser la prostitution. Ouais, il faut moins. Il y a 7 de bonheur. On approuve. Approuvez, approuvez. Arrêtez de faire vos enfants, là. La France va mal, il faut taxer. Hein. Voilà, parfait. On va légaliser le cannabis, on va le taxer, on va se faire un peu de sous. Hein. Taxe d'habitation. Ah, mais il nous faut des sous, c'est pour la France. J'approuve aussi, moi, ça. J'approuve tout ça. Hein. Là, on est dans la merde, c'est la crise. Hein. Parce qu'en fait, du coup, si on va trop bas, là, on est à 100 et chaque jour, on perd 3, voyez-vous. Et donc là, du coup, ce genre de... Dès qu'il y a des petits trucs d'argent, ça veut dire que ça remet des sous. Ah bah là, ça n'en a pas mis encore. La loi est peut-être pas passée. Un membre est décédé. Ah, à coup dur. 6,3% en moins, je vois. Voilà, boum. Là, on est. Là, on est en train de gagner, là. Il y a les élections. On va commencer à envoyer du flyer. Est-ce que vous pensez que je distribue du flyer? Est-ce que je recrute Seb? J'ai 2 places pour l'instant. Je vais pas pouvoir faire les 2, hein. Soit je recrute Seb. Parce que là, dans ces... Mais on va pas pouvoir faire d'interview, on va rien pouvoir faire. Est-ce que vous pensez que je recrute Seb? Il a 2 de popularité, hein. C'est ouf, 2 de popularité, hein. C'est dingue. Genre lui, il a 0. Rémi et tout. Ils ont tous 0, hein. Je peux faire un gros coup avec Seb.
Je pense que c'est un dinosaure de la politique qui va me rejoindre. Je recrute Seb. J'embauche Seb. Très important. Seb, je le mets numéro 3 du parti. Numéro 2 du parti. Et ce que je fais, c'est que je bibille un peu, je blanchis un peu, et j'envoie quand même Mathieu faire du flyer. Ça nous coûtera moins. Ça nous coûtera moins. Vire Mathieu. Non, on s'en fout, parce qu'en fait, les virer, ça ne sert à rien. Ils nous coûtent pas d'argent au quotidien. Ils nous coûtent de l'argent une fois. Je suis en full flyer, là. Un don ? Ouf, j'ai cru que c'était moi. Ah, s'il vous plaît, me quittez pas. On a déjà eu un coup dur, s'il vous plaît. 6,8%. 7% ! 7,13%. Bon, on est un peu en dessous, là. Subvention à l'agriculture. Est-ce qu'on abolit ça ? On est pas mal en pomme. Ah, les environnementalistes veulent. Moi, je garde. Je garde, je garde, je garde. Je pense aux environnementalistes, là. Là, il faut... On garde. On est bien. On reste une nation forte avec une économie forte. 7,35%. Vous avez reçu un don d'un petit partisan inconnu. Les gars ! Je fais quoi, vous pensez ? Une interview ? Je parle de moi ? On voit Lucille, toujours. Hein. Ah, mais c'est chez les capitalistes ! C'est de ce que Lucille fait, plus de flyers. Plus de flyers, vous pensez ? J'envoie deux personnes en flyers, vous pensez ? J'envoie Seb en flyer. J'envoie Seb en flyer. C'est osé. 7,73%. 8% ! Le bouche à oreille qui fait son effet ! Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau parti anti-bouffon, là ? Ouais, ils ont des idées super. Ah, moins de 8%. Maison de retraite. Maison de retraite, c'est important. Hein. Maison de retraite, on aime la retraite, hein, ici. Hein. Voilà, c'est... petite interview, quand même. Il va nous falloir une petite interview, je pense. Je pense là. Le 38. Je sais pas si j'approuve ou si je mets jaune. Je savais pas quoi dire. Voilà, mes deux ont mis jaune, c'est parfait. Interview de Seb. Non, je pense interview de Lucille, quand même. C'est notre figure de proue, là. Il faut Lucille. Lucille qui va dans le média où il y a le plus de gens. Ça nous coûte 41 balles. Comme ça, on a plus de thunes après. C'est parfait. 8%, on est en full flyer, bonjour. Est-ce que je mettrai pas d'écrire votre travail au Parlement ? Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Je peux pas accuser le gouvernement, parce que si j'accuse le gouvernement, les gens sont heureux. En fait, je pense qu'il faut accuser le gouvernement quand les gens sont pas heureux. Donc tout ton but quand t'es pas au gouvernement, c'est de faire baisser leur bonheur. Et ensuite... Mais du coup, je sais pas l'impact que ça a. Est-ce que quand tu fais baisser le bonheur des gens... C'est du coup le gouvernement ou est-ce que les gens se disent « Ah, c'est lui qui a lancé cette loi pour niquer notre bonheur ?» Je me pose un peu la question. Décrire votre travail au Parlement. 8,3 ! 8,7 ! On va prendre des sièges ! On arrive. Ok, c'est bon, là je suis parti, là, c'est fini. 8,7 toujours. Le truc, c'est que j'ai rien jusqu'au bout après. Hein. 8,4. Du flyer, Seb, du flyer. Attends, je me fais un petit... Faut absolument que Seb ait un siège. Je blanchis un peu d'argent et je renvoie Seb. Je renvoie Seb en full flyer. J'ai renvoyé Seb en full flyer, là. 8,12. Comment ça ? 8,4. Tout le monde doit envoyer des flyers à côté aussi. Ils doivent faire des interviews et tout. Moi, je touche pas les gens, là. Moi, je suis dans les marchés, mais je suis près des gens aussi. Hein. C'est ça, la vie. Hein. 8,6. Le droit de timbre. Le droit de timbre. M'emmerde avec son droit de timbre, lui. Ah non, l'environnement, je décline, moi. J'aurais dû... Je suis con ! J'aurais dû approuver ! Parce que si j'approuve, les environnementalistes, ils sont pas contents. Et du coup, grosse embrouille. Et ça fait monter d'autres gens. Putain, je suis con. Mais 8,6%, on s'en fout, ils ont rien vu. Ils ont vu que du feu. 8,9. Et si on a plus de 9% là, allez, maintenant. 9,16. 3 sièges. Combien de sièges ? 3 sièges. Il y a Seb. Seb vient d'entrer. Les gars, on a fait entrer Seb. Ah, c'est très très bon. Ah, je vous le dis, c'est très très bon là. Non, là, c'est très, très, très bon. Comment ça se passe, nos relations avec les gens ? Nos relations se passent super bien avec les représentants. Il y a beaucoup de gens qui votent pour les représentants. Est-ce qu'il faudrait pas que je les suce ? Est-ce qu'il faudrait pas que je les suce un coup ? Ah, je sais pas. Taxe d'habitation. Je la garde. Faut que les gens soient pas heureux, là. Faut que les gens soient pas heureux. Prime Seb, sinon on va te le voler. Putain, non, faut pas que Seb... Non, Seb... Ah bah il coûte pas très cher hein, en loyauté. Ouais, très clean hein. C'est un bon gars. École. Oh, on a la recherche sur école qui a été faite. Faut des primes. Suce les socialistes. Non, parce qu'on les aime pas.
Faut pas que juste le gouvernement, sinon. Qu'est-ce qu'il fait Adam là? Ah, il fait une loi là, je crois. Oh, il est passé! Il est passé! Oh, il est passé! Oh putain, il avait un scandale chez moi, maintenant c'est le king du monde! Go assassiner le mec. Bah, en fait, il me faut 249 et j'ai 16 là pour l'instant. Oh, je vais dire du bien d'eux. Est-ce que je dis du bien d'eux, vous pensez? Oh, j'hésite. Ah, j'ai pas d'argent de toute façon. Oh, il y a une grève? Oh, le parti en mouvement qui s'est mis en grève. Oh, il déteste les républicains. Oh, gros s'embrouille. Hein. Mais du coup, moi, les socialistes me réaiment bien maintenant. Les socialistes me réaiment bien. Oh, je sais pas quoi faire. Oh, je fais rien du coup. J'ai plus de 9%, je suis bien. Hein. Maintenant, je suis bien. Hein. Y a pas à dire. Hein. Le bonheur, faut qu'il soit bas là. Putain. C'est quoi notre prochaine timeline là? C'est le 26. Le 26, on a les élections. Il nous faudrait 4 sièges. Honnêtement, il nous faudrait 4 sièges. Là, on va avoir de l'argent ici. C'est quoi mon parti? Bah, le parti anti-bouffon. Pour l'instant, on fait pas grand chose là. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une loi, un truc? On se stabilise hein, après. École primaire. Ah, école primaire, c'est dur de voter non. Hein. Full flyer. L'élection arrive. J'ai Manon que je peux recruter aussi. Hein. Moi, j'ai mis un peu indécis. Un peu indécis de notre côté, on savait pas trop. Ça s'approuve, hein, tranquillement. Pour l'instant, on a un peu le cul entre deux chaises. Hein. Oh, hôpitaux. Faut que je les séduise. Hein. Manon peut être pas mal. Manon nous coûte 30 balles quand même. Elle a 77 ans. Ah ouais, Manon. Ah, c'est Manon des sources, là. C'est... Fin de vie, la meuf. Hein. Vous allez être... Allez. Oh, je vais pas avoir beaucoup de sous. Hein. Je vais avoir genre 50 balles. 50 balles au plus? 80 balles, hein? Putain, imaginez, j'ai 130 balles. Imaginez juste, j'ai 130 balles. Je renvoie Lucien en mission, vous pensez? Ah, c'est tard, là. En vrai, c'est tard. On a 100 balles. Il faut qu'on les utilise intelligemment. Il faut qu'on les utilise intelligemment. Là, là, c'est important, en vrai. Seb, déjà, je lui ai mis un peu de loyauté. J'ai l'impression qu'il est en train à deux doigts de se barrer à chaque fois. Parce que Manon, je pourrais la recruter pour la faire mettre des flyers. Et sachant qu'elle a de la popularité, c'est pas mal. Voyez-vous? Je pense qu'il me faut un siège de plus. Et du coup, avoir une Manon qui se glisse, c'est pas mal, tu vois. J'embauche Manon, boum, direct on a gagné là un peu de place. Manon, je la mets là. Et Manon, ça sera la prochaine à avoir des sièges. Manon a l'expérience. Manon, 77 ans, Manon a beaucoup fait. Marie-Georges Buffet. Rime riche. Rime riche. Rime très très riche. C'est ouais, c'est une punchline là que je suis en train de bosser pour un prochain son. Une vieille de 77 ans qui distribue des flyers. Justement, c'est beau. Tout le monde est sur le coup, quoi. 9,25. Prime Seb. Je remets un coup de prime sur Seb. Je remets un coup. On s'assure d'avoir Seb. C'est important, là, on bosse long terme, là. Manon est embauché, déjà. Hein. Condamnation pour vol. Faut garder, quand même. Mais du coup, je sais pas dans quel sens aller. Ça me... Mathieu, il va se barrer. Ah, mais Mathieu, de toute façon, il sert à rien. 9,5%. Allez, les 10... faudrait qu'on ait 10%. 10%, ça serait beau. Hein. Recherche agroalimentaire. Là, honnêtement, le gouvernement va bien. Hein. L'éducation, on pourrait abolir un peu un truc. C'est la crise, là. C'est la crise, on abolit. Ah. On est les seuls à avoir voulu abolir. Sale ambiance. Fais des flyers. Ah, mais toute ma vie, je vais pas faire des flyers, quoi. Oh, il y a une épidémie. Il y a une épidémie, c'est bien. Ah, parfois, il faut des soucis. Hein. Faut que les gens soient pas heureux, putain. 10%. Mais c'est la crise, là! Personne se rend compte ou quoi, bordel? Mais dans la merde, là! Lucille, tu peux me faire quoi comme loi, là? Aïe. Le droit de timbre. Taxe sur le revenu. Et il nous faut une taxe, hein! C'est la crise, les gars! Il nous faut une taxe. Une taxe sur le revenu, je pense. Les gens sont heureux. Taxe sur le revenu. Je fais une loi, taxe sur le revenu. Les gens vont être moins heureux. Boum. Direct. Ah, oh, bah, j'ai perdu 8%. 0,8%. Eh ouais, faut... du coup, mais comment j'approuve?
Elle passe cette loi. Hein. Ah mais les gens me détestent. Hein. Mais au moins je sauve la France. Ça mon souci, je sauve tout le temps la France. Toutes les mauvaises actions prises augmenteront le niveau de corruption dans le pays. Ah ouais, on est où là? On est full corrompu nous? Ah pas mal hein. Ah putain, c'est un sale pays hein. Ouais, on est en corruption max. J'aide le gouvernement. Mais en fait, le truc, c'est que l'argent, si t'es trop bas, t'es niqué. Là, normalement, bientôt, le bonheur va être moins haut, là. Voilà, le bonheur est à 1. Et par contre, là, l'argent va dans le bon sens. Bibliothèque publique. On n'a pas besoin de bibliothèque publique, gros. Arrêtez ! Avec vos... On a déjà plus d'éducation qu'on a besoin ! Vous mettez la France en péril avec vos conneries, là ! Ah, ils sont cons ! Ils sont cons ! Tiens, Mathieu, va faire des flyers, enculé. Pardon. Allez. 10,20%. Bon, 10,20%, on va avoir... Ah, on a 3... 4 sièges, 4 sièges, 4 sièges. 4 sièges, ça nous fait rentrer Manon... Manon arrive. On a 4 sièges, on commence à être là. 10,2, on commence à être présent. Subvention à l'agriculture. Ah, mais je sais même plus quoi vous dire, moi. Je sais même plus quoi vous dire, là. Tiens, pour tuer toute l'assemblée, t'auras des sièges de dispo, go sauver la France, vive la République. Nique les bouffons. Lucille a up. Lucille est en train de up. Hein. Lucille, j'ai peur qu'elle se barre. Je pense que Lucille va partir. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, comme... Non, on garde. On garde la subvention à l'agriculture. Ah, mais comment... Eh. Oh là là, ils ont aboli. Regarde tous les bleus, comment ils ont aboli. Pour l'instant... Putain, c'est... les bleus m'aiment plus. Les bleus m'aiment plus. Faut qu'on devienne en... Eh, je suis un enculé. Faut qu'on devienne en rouge. Faut que le bonheur... Faut plus de bonheur. Ah, ça va changer demain. Ça va changer demain, 100%. Oh, non, c'est encore les bleus. C'est encore les bleus et il y a quasiment plus de bonheur. Faut que je critique le gouvernement, je crois. Prohibition des armes. Faut que je critique le gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Ou alors je fais une manif. Oh, la manif, elle est osée. Hein. Oh, la manif, elle est osée. Hein. Prohibition des armes. Prohibition des armes. Les gens veulent de la sécurité. Hein. On a assez d'éducation. Hein. Moi, je décline. Hein. Je décline fort. Hein. Je décline fort, on a assez d'éducation. Manif, c'est belle couille. Hein. Vas-y, vas-y, c'est dans le temps en plus. Je fais une manif. J'organise une manif. Ah, ça me coûte. Hein. Ah, ça coûte des sous. Hein. Et il faudra que je fasse une interview. Faudra que... Ah, je vais rien faire, j'ai pas de thunes. Venez, on attend, non? Est-ce que c'est pas gâché? Parce que je pense que l'élection va avoir lieu vers le 10-12, voyez-vous? Je pense pas de manif pour l'instant, critique. On n'est pas encore dans le rouge, en fait. Je suis à 10... Si je reste au-dessus de 10% sans rien faire, c'est très propre. Hein. Oh non, on est sous les 10%, là. Oh, 9,8. Taxe sur les transports en commun. Direct, comme ça, là. Les environnementalistes, ils vont pas kiffer. Hein. Faut que j'écho un peu, je pense. Je dis rien. Je dis rien. C'est parce que la décision est pas entre mes mains. Oh, ils ont taxé. Oh, les environnementalistes, ils vont pas kiffer. Hein. Y a pas un truc d'environnement là qui va se créer où on est en négatif? Parce qu'au fur et à mesure, y a des nouveaux trucs qui apparaissent. Logement public. Ah, mais là, on veut du logement. Hein. Eh, moi, je vote rien. Je vote toujours blanc. Au moins, par contre, je suis tous les jours là à l'Assemblée. Hein. Mais tous les jours, je vote non. Y a pas un truc qui se crée là sur l'environnement? Genre, y a quand même une loi là qui a niqué l'environnement. Hein. Je sais pas si... Pire choix IRL, PTDR. Corruption. Ah, la corruption est terrible. Hein. Est-ce que vous pensez que je critique le gouvernement en place? Ah, il m'aime plus. Hein. Ah, bah maintenant, c'est les autres qui m'aiment. Je diminue de jour en jour. Je fais une interview, je vais critiquer le gouvernement. Allez, c'est bon. Fini les conneries, là. Ça me coûte 48 balles, parfait, je peux blanchir un peu. Je blanchis full. Là, on va m'entendre. Mal parler d'un parti. Les représentants. C'est osé, hein. Ou alors, je mets... Non, on va arrêter de voter blanc. Ou alors, je critique carrément le... Ou alors je critique carrément le président.
Mais accuser le président, c'est osé. Hein. J'accuse le président ou je parle mal, je parle mal. Non, je parle mal, je parle mal. Non, mais là, c'est con ce que j'ai fait parce que... C'est con, en vrai. C'est con parce que j'aurais dû lancer une manif, mais j'ai pas de thune. Bon, j'accuse. 9%. Oh, je baisse. Oh, je full baisse. Oh, j'aurais dû juste mal parler. Ah, oh, ils me détestent, les représentants. Oh, ils me détestent et je suis en train de perdre. Ah, oh, je suis juste devenu un ultra. Ah, oh, je suis juste devenu un ultra terrible, là. En école primaire, c'est pas mal, quand même. Ah, oh, c'est terrible. Ah, oh, je suis devenu une merde. Ah, oh, je suis une merde. Ah, oh, je suis une merde humaine. Taxe sur le revenu. On garde, on garde, on garde. On garde, on garde. Et eux, ils veulent abolir pour augmenter le... Regardez comment les bleus veulent abolir pour remonter le bonheur. Il va pas remonter le bonheur, mon pote, je te le dis. Putain, on a direct les élections, c'est foutu. Il y a encore une épidémie. Le bonheur est hyper mal. Oh, il aurait tellement fallu que je fasse une interview maintenant pour... Oh, ça me coûte 51. Ça sert à rien, les interviews. On fait une manif, sinon ? Ça va rien changer, nous, de faire une manif. Si je fais une manif ? Oh, c'est osé, la manif, hein. Ça va juste plonger... Je pense que ça va pas me mettre bien, moi, tu vois. Sinon, je promets le bonheur. J'ai pas de thunes, hein. Oh, on est vraiment fou la merde en France. Allez. Parti anti-bouffon qui fait une manif. Bon, ça nous a ramené un peu de gens, là. Des gens qui sont désespérés. Du théâtre. Ah, un théâtre, ça va être du semi-bonheur, là. Je suis pauvre. 9,5 9,5, quand même. On garde nos sièges ? Ah, on a perdu un siège. C'est dur. C'est dur, c'est dur, parce qu'on perd un siège important, là. Mais les Républicains sont en train de se casser la gueule. Je pense qu'ils vont perdre leur... Ils vont tout perdre. Pour qui allez-vous voter aux prochaines élections ? Frérot ! Frérot ! Ils me font... Mais c'est terrible ! Ils me font un sondage le lendemain des élections. À quoi bon ? Je pense que les socialistes vont passer au gouvernement. Non mais c'est quoi ce jeu là ? On comprend plus rien aussi au bout d'un moment. Il faut que je fasse une loi. Oh, il me faut des sous. Avec ces sous-là, il y a une épidémie. J'ai compris. Il y a une épidémie. Et du coup, il faut que je fasse un truc pour la santé. La santé n'a pas l'air d'être bonne. La santé est hyper mauvaise. Il faut que je promette une loi. Il faut que je fasse ça. Me dis pas que tu l'as fait déjà, toi. Parfait. 100%, je dois faire ça. Je promets de faire une loi. Et ouais, les gens ont plus de thunes. Là. Prohibition des armes. Ils me font chier, lui, avec ça, là. On décline. On décline, on décline. Cette gorgée de la motivation. Ok. Là, interview. Lucille, dans Le Citoyen, c'est les mondialistes. Non mais ça coûte moins cher, putain. Hop. Écrire et approuver une loi. Boum. Là, j'écris une loi, j'attends un peu, tu vois. Déjà, Lucille, elle va écrire une loi qui fait le soin pour... Je pense le soin pour tous, hein. Le soin pour tous, c'est incroyable. Si je fais ça, c'est fou. Et ensuite, on va lancer une politique de flyers. Approuvé, hein. Approuvé, hein. Ça approuve fort. Ça approuve 11%. 11% et j'ai atteint mon objectif. Full flyer, full flyer. Manon dans la rue, Manon dans la rue. 11%. 11,5. Un législateur est impliqué dans un scandale de corruption. Aïe, aïe, aïe. Les blancs dans la sauce, on les aimait pas les blancs de façon. Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir des sous ici là. Il faut qu'on frappe fort encore. 11,6. 11,5. Je remets Manon en flyer. Oh, c'est du full flyer. Hein. L'homme qui voulait devenir président en distribuant des flyers dans la rue.
Maison de retraite, est-ce qu'on abolit? Ah bah vous êtes dur, hein. Regardez quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a que les gens peuvent aimer? La santé encore, hein. Si je refais une loi sur la santé, là, c'est incroyable, non? Parle mal du blanc. J'ai plus de thunes quand même, hein. En vrai, si j'envoie une nouvelle loi en santé, ça peut être pas mal aussi, hein. Sinon, je... Mais c'est chaud, quoi, ça coûte cher, hein. Pourrait faire ça, hein, allocation familiale. Service d'ambulance? Ah, l'ambulance, ça va passer 100%. L'ambulance va passer 100%. T'as que dalle de thunes publiques. C'est ça qui est un peu chaud, quoi. J'hésite. J'hésite à faire le truc de santé. Qui plaira au peuple. Mais on a plus de thunes, quoi. Je la fais rapidement. Vas-y, je la fais rapidement. Service d'ambulance. Boum. Ah, j'ai pas les sous, moi. Moi, vous me dites que j'ai pas les sous, moi. Je vais voir mon Dilos. Boum. Moi, j'ai... Ok, c'est bon. J'ai blanchi un peu, là. 11,7%, 12%, 12%, 12%. Adrien Z. Adrien Z, dont on gardera l'identité secrète. Allez, on approuve. Approuvez, 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 approuvez. Allez, 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 ça va tomber là, ça va tomber. Le service d'ambulance, bien sûr. Je suis la France. 13%. Seuil électoral. Qu'est-ce que t'entends par ça? Changement, 3%. Moi, j'approuve. La full flyer. Derrière full flyers. Et honnêtement, on peut grave escroquer des trucs là. Attends, parce qu'on va pas pouvoir faire des flyers à l'infini. 13%. Manon, hop, je la renvoie en flyer. Pour la fin. Pour la fin. 12,6%. Aïe, aïe, aïe. Parti en mouvement qui est en grève. Mais là, les thunes, c'est la merde. Oh, y a plus de thunes. 13%. 13%. 13,7%. 13,5%. 13,3%. 13,6%. Allez, combien de sièges? Oui! J'ai passé deux parties, j'ai 5 sièges! J'ai 5 sièges! Putain! Bon, alors là, faut redresser la France. Là, faut redresser la France. Il faut faire maintenant. En fait, c'est pas moi qui vais les proposer, les lois. Mais je vais voter dans le sens de l'économie. Oh, bravo! Déjà, bravo! Déjà, bravo! Bravo à tous! Merci à tous d'avoir voté. Merci de vous être déplacés un dimanche. Voilà, ça donnait pas forcément envie, je peux comprendre. Surtout avec tout ce qu'on entend de la politique actuelle. Mais vous le savez que le parti anti-bouffon est capable de faire la différence à l'heure actuelle. Beaucoup d'heures actuelles. Shadox, merci beaucoup pour le troisième mois. Shark and Fly, troisième mois aussi parmi nous. Entreza, deuxième mois. Mister Diz, huitième mois. 17 mois pour Salut CTO. Warquap, 4 mois. Xilef, 12 mois. Leidralis, pardon, quatrième mois. Merci à tous, ça fait très plaisir. Parce que c'est notre prochain. 13,5% n'empêche. Hein. Logement public. Oh, on est bien en logement. Hein. On va peut-être abolir. Hein. On abolit. On abolit. On abolit fort. Eh, qui vote contre moi, là? Sébastien, il vote contre moi. Hein. Sébastien, il suit pas mes tendances. Et Oh non, il y a Mathieu qui est au gouvernement. Oh bah. Oh bah. Il y a Mathieu qui est au gouvernement, il a rien, lui. Attends, je mets une petite prime à Manon, quand même, parce qu'elle a bien fait le taf. Il a rien du tout, Mathieu. Mathieu, il a 0-0-0. Et il vote pas ce que je lui dis de voter. 13,8%. Mais attendez, je vais être président, là. Non, 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 non. Que les extrêmes commencent pas à se chauffer. Pourquoi les socialistes sont cassés la gueule? Je pense qu'on a bouffé les socialistes, en fait. Montre les résultats des élections. Eh non, les socialistes sont montés. Républicains sont descendus. Ah non, ça, c'est les premières élections. Ah voilà, les socialistes ont beaucoup baissé. J'ai gratté sur les socialistes et sur le Parti En Marche. Et par contre, les Républicains et le Parti Nationaliste est monté. Les Verts sont encore là, ils sont en train de revenir. Par contre, les représentants me détestent. Du coup, en fait, moi, faut que je me fasse pote avec les socialistes. En fait, le plan, je vous explique, c'est de se faire pote avec les socialistes. Comme ça, quand je vais être au second tour contre les bleus, tous les socialistes voteront pour moi. Et ça, c'était mon erreur la dernière fois, parce que j'avais chié sur tout le monde. Et du coup, personne votait pour moi. Là, si j'ai les noirs, les roses et les verts avec moi, ça sera bien plus puissant que les blancs et les bleus. Donc, on gagnera.
C'est quand la prochaine élection? Putain, prochaine élection va être importante. Hein. Retirer, nouvelle loi. Qu'est-ce qui se passe? 13,5%. Et on n'a pas de sous. Hein. En vrai, on n'a pas de sous. Hein. Subvention à l'agriculture. Ah non, on est obligé de décliner, les gars. Honnêtement, on est obligé de décliner. Hein. Là, il faut faire des lois contre le bonheur, concrètement. Fond du parti. 13,9%, les gens même. Hein. La France a des problèmes de budget. Et ouais, il faut relever, là. Il faut redresser. Hein. Et ce qu'ils proposent, eux, c'est des lois pour plus se financer le parti au détriment de des finances françaises. Moi, je décline. Hein. Je vous vois, les bleus, accepter. On vous voit. Les verts aussi. Vous cachez votre jeu. Incroyable, ça. Ok, ça bosse des lois, là. Là, y a des lois qui sont en train d'être faites, là. Moi, pour l'instant, je soum-soum. Ma position de soum-soum est fantastique. Les gens veulent encore des lois sur la santé, mais en santé, on est max. L'éducation, on pourrait peut-être abolir l'école primaire. L'école primaire, on pourrait peut-être l'abolir. Salocine, merci pour le 27e mois. C'est 2 ans, Shalken, putain, merci beaucoup. Je pense qu'il faut abolir pour redresser la France, qu'on perd tous. Hein. Si on est à genre moins 150, c'est fini. Hein. Je pense qu'on abolit celle-là. Tout le monde est d'accord, les gens ont besoin d'argent. 14,3%. Un membre a quitté son parti. Les socialistes sont en ruine. Les socialistes sont en train de se casser la gueule. Allocation familiale. Ah, c'est chaud, cousin. C'est chaud, cousin. Là, on décline, on n'a pas l'argent pour. Hein. On n'a pas l'argent pour, on n'a pas l'argent pour. On est déjà bien en santé. Arrêtez de vouloir séduire le peuple avec des... Oh, ça passe pas. Ça passe pas, 13-13. Boum. Boum. Le parti anti-bouffon qui fait front. À direct, hein. À direct, là, on fait front. On s'est pas laissé marcher dessus. Hein. Ah non, 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 on les sentait, là. On les sentait, regardez comment on fait front, là. Ah, mais du coup, ils vont pas me kiffer, les parce que c'est mes alliés, en fait. J'ai voté contre mes alliés. Non, mais c'était trop social, là. Faut que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on est d'accord que, voilà, il faut penser au monde. Et ouais, la santé, mais la santé, on est à 3 sur 3. C'est full bonheur, la santé, là. Logement, c'est pas full bonheur. Moi, je peux vous amener du... Je suis à moins 13. Mais les autres me kiffent, hein. Mais ce qui fait que si j'oppose, si j'affronte les républicains, c'est gagné. On est sur quelque chose, hein. 14%. Attention quand même à pas supprimer une loi. Le seuil électoral. Ce que j'accepte, c'est quand même 100 de cash de... C'est du flouze, hein. Parce qu'à des moments, je vais pouvoir peut-être acheter des gens. Je peux les acheter et les remettre vers moi. Je pense qu'on refuse pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on fasse une loi sur les logements, là. 13,6%. Service d'ambulance. Ah, vous êtes dur quand même, hein. Non, on va les garder, le service d'ambulance. C'est important. C'est important, la santé. Là, je trouve que c'est trop, ce que vous faites. Ouais, c'est les bleus qui ont voulu faire ça. Ils voulaient plus d'argent, les bleus. Non, non, moi, je suis pour aller vers une économie saine. Mais attention. Qui peut distribuer du flyer, là? Mathieu, va falloir commencer à distribuer, là, du pape, là. 13,5%. On est en descente, là. Là, on est en descente. On va se faire une petite session flyer, je pense. On reste au top. Prime Manon. Manon, elle peut partir. Là, il nous faut une Lucille forte, là. 13,8%. Est-ce qu'on veut les routes ou les lycées? Oh, elle est un peu de lycée. Ouais, elle est parfaite. Je vote en plus... Non, mais là... Là, c'est magnifique, hein. 14% à nouveau. Taxe sur les transports en commun. Je pense qu'il faut garder, moi. Et comment on voit de qui elle vient, cette loi? Comment on voit qui l'a mise? Ah là, c'est l'Union Européenne, là. Ah, je pense qu'il faut garder, hein. Faut garder cette taxe, on n'est pas très bien, là. Prime Lucie. Lucie, vous pensez, elle mérite une prime? Elle est déjà à 4 en loyauté, hein. Bah, ça coûte cher, la prime, hein. C'est 45, hein. C'est tous mes sous, j'ai même pas. J'ai pas. Hein. Je pense pas, hein. Je pense qu'il pourrait être un beau coup de poker... C'est de recruter genre Martin. Voyez-vous? Et de refaire la même truc avec... tu vois, avec un Martin ou un nouveau gros qui va nous bump sûrement vers 15%. Qui fait qu'à 15%... Ah, à 15%, on n'est pas un parti en tête, en duel. Non, non, faut pas qu'on fasse ça. En fait, là, faut qu'on reste vers 15%. Faut qu'on ait genre 20% pour pouvoir être en tête-tête. Pas facile, ça. Ça va être compliqué, hein. Non, je garde la taxe, moi. Je garde la taxe.
qui va pas être bibliothèque publique. Ah, je sais pas, j'ai envie de voter blanc là-dessus. Hein. Parce que d'un côté, ça nous ferait de l'argent. D'un autre, en éducation, on est pas mal, mais pas bon non plus. Il y a trop de bonheur. J'hésite là. Lucille Flyer. En fait, quand ils sont à l'Assemblée, ils peuvent pas distribuer de flyers. Donc, il faut des gens en plus. Donc, c'est des gens qui ont pas trop d'impact. Donc, j'hésite. Ça peut nous mettre mieux niveau argent. Et du coup, je pense qu'on abolit. Parce que comme ça, on va être mieux en termes d'argent. Ah, ça passe pas. Ça passe pas, les gens ont pas trop kiffé que je fasse ça. Pour savoir quand même. Prohibition des armes. C'est de l'éducation, quoi. Là, on est un... Là, je pense qu'il nous faudrait une loi sur le logement. Mais c'est ce qui leur amènerait du bonheur, mais... Je vais approuver ça. Je vais approuver la prohibition des armes. Ce qui est bien, parce que ça va faire que du coup, ça va manquer de sécurité. Et il y aura une faille ensuite. 14,2, les gens ont adoré que je fasse ça. C'est très bon, ça. Hein. Dans le monde, on est comment? Ah, on est sixième. Hein. Ah, je pourrais amener la France tellement plus haut, moi. On a une belle population, quand même. En termes de libéralisme, ça va. Ok, là, on va avoir du bif, là. Dans quoi j'investis le bif? On peut grave faire une loi sur le logement, mais pas facile de faire une loi sur le logement sans que ça nous coûte masse thune, j'imagine. Ouais, c'est forcément des thunes, et les thunes, on n'en a pas trop. Sinon, il faut qu'on fasse une... Sinon, on légalise les jeux d'argent. Mais là, est-ce que... Parce que notre but, c'est quand même chaud ici. Hein. C'est quand même chaud. Hein. Là, c'est quand même un peu chaud. Hein. Recrute un mec. En vrai, la question, c'est est-ce que j'ai besoin de recruter un mec, sachant que je vais avoir... J'ai eu combien au dernier? Dernières élections? J'ai eu 13,6%. Je vais avoir sensiblement la même, là. J'ai envoyé Mathieu en petit flyer, je pense, déjà. Qu'on reste à peu près là. Combien on chope? On chope 111. On est quand même un parti, hein. On n'est pas rien. Hein. Full flyer plus interview. Je pourrais recruter Arthur. Mais le truc, c'est que... Vous voyez, les mecs sont quand même largement devant moi, quoi. Là, jamais je serai dans le top 2. Donc être top 3 ou 4, je pense que là, il faut juste qu'on sécurise des sièges. Il faut qu'on garde un peu d'argent. Je pense honnêtement, il faut qu'on garde un peu d'argent, là. Là, c'est tout le but, là. Il faut qu'on garde un peu d'argent et qu'on se mette pas trop mal. Pour la prochaine qui va être du coup début d'année aussi. Et que là, par contre, on fasse des choses intéressantes. Je peux faire une petite interview en faisant une promesse de loi. Comme ça, ça fera une promesse de loi sur le logement, mais c'est chaud. Je vais faire une interview. Non, ça c'est faire une loi, ça. Je vais faire une interview, Lucille. Ah, mais c'est socialiste, je vais pas y aller. Ça va me coûter 30. Et on reste en flyer le reste du temps. Écrire et approuver une loi. Enfin, élever le bonheur, ça aurait été propre. Si t'arrives juste avant les élections en promettant d'élever le bonheur, je pense que tu chopes de ouf. Action. Critique les bleus. Sinon, je taille les bleus. Hein. On s'entend déjà hyper mal. Je peux tailler les bleus. Hein. Je taille les bleus, vous pensez? Ça va plaire à tout l'auditoire socialiste et tout, quoi. Mal parler d'un parti, les représentants. Ouais, pas mal. Pas dingue. Soins pour tous. Important, les soins pour tous. Et du coup, ça peut les rendre vénères. Hein. Si j'abolis, c'est mieux. Hein. Je pense que si j'abolis, niveau thune, c'est bien. Mais en même temps, les gens veulent ça. En fait, le truc, c'est que l'argent me fait peur parce que on perd tous, quoi. Parce qu'il y a parfois peu en politique, mais si c'est trop la merde dans notre pays, on perd tous. C'est vrai que c'est ma loi, quand même. On va la garder. On va mettre une certaine logique, quand même, dans le pays. On aurait pu mettre neutre. Mais tu vois, 5 sièges, si je vote pas pour ça, ça fait 16. Et si je vote pour abolir, ça fait 14.
Donc ça rend tout de suite le débat serré. Hein. On garde des flyers à côté pour quand même être présent. En plus, ça, je vais bientôt pouvoir acheter potentiellement des gens. Donc c'est bien. Hein. Là, je pense qu'on est bien. Il me faudrait 5 sièges. 15%. Oh, 13,5. Putain! Enculé de Mathieu, va! Excusez-moi. Ah, Mathieu a été corrompu. Enculé de Mathieu, il servait à rien déjà. Un scandale, clac, il est viré. Putain, est-ce que je recrute Arthur? Non, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, on fait rien de plus. 13,8? 13,8%. J'ai mes 5 sièges. J'ai mes 5 sièges et ça a beaucoup baissé. Hein. Le truc, c'est que les socialistes, là, sont big. C'est comment on peut être dans la branche des socialistes, mais en étant mieux qu'eux. Je crois que c'est ce que Macron a fait. Je crois. Valorise, merci pour le 6e mois et Reebok pour le 5e. C'est en train de perdre de l'autre côté. Je pige R. Ça va, hein. Ça doit être gérable normalement. Tu vois, nous, on veut se faufiler au milieu, là. Il faut se... Les gens veulent quoi? Putain, l'élection, là, je pense que ça va passer aux socialistes. Hein. C'est Vincent qui va être... Oh là là, Adam encore qui est là. Mais quelle honte. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens? Quelle loi aimeriez-vous être approuvée? Ah, l'école primaire. Mais ça va coûter de l'argent, ça. Ça va coûter de l'argent. C'est dur, hein. Ah, ils veulent retirer le service d'ambulance, ils veulent retirer toutes mes lois. Ah, nouvelle loi, légaliser les jeux d'argent, c'est bien joué, putain. J'aurais fait la même. Ça, je vais approuver. Qu'est-ce que ça dit, là? La France a des problèmes de budget. Et ouais, les gars. Mais on garde le service d'ambulance, c'est le minimum, s'il vous plaît. Faisons des lois intelligentes. Parle mal d'Adam. Adam, il a eu une absence, mais c'est pas non plus... pas le... Épidémie. La France va mal. Est-ce que je promets le bonheur? Attends, c'est quand les élections? C'est le 42. Est-ce que je promets le bonheur? Promettre le bonheur, c'est cadeau. Hein. J'envoie Lucille qui va promettre le bonheur. C'est bien, par contre j'ai un objectif. Hein. Je dois mettre le bonheur. Légaliser le jeu d'argent, j'approuve, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent les gars, votez intelligent quand même. Il me faut un las pour les flyers. Juste avant l'élection, on va recruter Arthur, vous en faites pas. Ou alors? Non. 14,5. Condamnation pour vol. Il nous faut de l'argent en vrai. Hein. Il nous faut de l'argent, ça nous laissera une marge de manœuvre. Si on abolit la condamnation pour vol, on est très bien. Mais en sécurité, on est zéro, quoi. Il y a beaucoup de corruption, en fait. C'est manifeste. Bah non, si je manifeste, ça, les gens vont être... Je pense qu'on garde. Je vais mettre une petite prime à Manon. Qu'elle nous mette pas un couteau dans le dos. Parfait. Sébastien aussi, j'hésite. Ah, je mets une prime sur Seb, mais du coup, j'ai plus d'argent. Pas très bien joué, ça. 14,9. Hein. Jules est parti d'une partie nationale au mouvement. Oh là là. Parti en mouvement, j'en suis où, moi, de mes relations? C'est pas mal. Hein. Juste, je serai jamais contre les socialistes en face-face. Enfin. Je pense que je vais commencer à recruter Arthur. Je recrute Arthur, je pense. Parce qu'en fait, Si j'achète un mec, je vais pas en avoir besoin. Tu vois? Parce qu'en fait, acheter, ça te permet juste d'avoir plus de présence ici et donc d'être sûr de pouvoir faire passer des lois. Je vais blanchir. On a 90 balles. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui fait que je vais recruter Arthur. Comment je pourrais élever le bonheur?
Comment je pourrais faire une loi qui élève le bonheur? Subvention culturelle. Subvention culturelle. Mais faut déjà que ça aille mieux. Faut déjà que ça aille mieux, donc faut que je le fasse genre là. 33, je pense. Ah putain, c'est dur de faire des subventions quand il n'y a pas d'argent. Élever le bonheur à 1. Ah bah les gens pensent que ça va être moi du coup qui ai élevé le bonheur. Oh mais j'ai promis d'élever le bonheur est revenu naturellement. Oh quel délice. Je recrute Arthur. Je recrute Arthur et direct je l'envoie en flyer. Oh non non non, il faut 16% là. 15,5%. C'est pas mal là. 15,5% prohibition des armes. Ils veulent quoi les gens? Ils veulent de la santé hein. Ah mais santé, on est déjà full. Ils peuvent vouloir aussi un peu de logement, hein. Mais ça va nous coûter forcément de l'argent. C'est ça le souci. Et c'est moi qui l'ai passé cette loi, non? Mathieu V. Non, Mathieu V, il siège déjà, lui. Oh, c'est aboli, hein. La sécurité, ça va devenir compliqué, hein. Là, le bonheur est passé à 2. Je refais du flyer. Trop populaire de toucher aux armes. 15,6%. Manif, c'est quoi, épidémie? Épidémie. Nouvelle épidémie. Putain, mais niveau argent, c'est la merde. Mais quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme loi? Oh, l'épidémie, c'est chaud. Hein. Parce que liberté... T'as coulé le pays, Domi. En vrai, il faudrait taxe foncière, mais c'est pas à moi de... Là, j'ai pas du tout envie, juste avant les élections, de faire une loi qui va pas plaire au peuple, tu vois. C'est pas du tout mon intérêt, quoi. Droit de timbre. Droit de timbre, peut-être, ouais. Faire passer cette loi avant... Tu vois, les environnementalistes, ils vont pas kiffer du tout. Tu vois, c'est les environnementalistes, le droit de timbre, ils sont en tête, hein, les environnementalistes. Au-delà des valeurs qu'ils ont, ils sont quand même... C'est les gens qui a le plus dans le pays, donc... L'interdiction de fumer peut être cool. Ça les nique un peu, mais... Ah bah, je peux pas la mettre. C'est la seule loi que je peux pas mettre. Ah, parce qu'ils ont pas de... Comme ils ont pas de liberté, déjà... Ah, le logement, ça nous coûte forcément de l'argent. En tout cas, je vais passer, je crois. Hein. Peut-être une petite interview. Ça va juste distribuer du flyer. Hein. Maison de retraite. Ah, mais c'est trop dur d'abolir des lois sur le logement. Quelle loi on pourrait abolir, en fait? Quelle loi on pourrait abolir qui coûte de l'argent? Bibliothèque publique. Oh, c'est chaud. Hein. En vrai, c'est chaud, hein. Bibliothèque publique, à la limite. Rebalance du flyer, toi. C'est chaud, hein. Truc sur la défense. Pour avoir de l'argent, c'est dur, là. Taxe revenu, ouais, mais la taxe revenu, si je l'enlève, ça nous coûte de l'argent. C'est pas l'idée. Maison de retraite, Logement, on est mal, hein. Vas-y, on abolit, on essaie d'abolir. Ah non, ça passera pas. Il nous faut de l'argent, il nous faut de l'argent, en vrai. Argent! Argent! Je veux tout cet argent! Ah, il y a déjà quelqu'un qui a prévu l'interdiction de fumer en public. L'enculé. L'enculé. Ah, l'encucu. Ah, elle est belle, hein. C'est Adrien Z. Et Adrien Z, je suis pote avec? Je suis assez pote avec. Ils veulent le bien de la France. Ils m'ont doublé là-dessus. Hein. J'approuve, mais ils m'ont doublé. Et ouais, je perds du coup. Je perds pas face à eux, là. Je vais reperdre un siège, je pense, là. 5 sièges? 5. Qu'est-ce qui se passe? Les socialistes se cassent la gueule. Et les républicains remontent. Il faut qu'on ait plus de marge de manœuvre. J'ai 15%, moi. 15,3%. Ah, c'est encore les bleus au gouvernement, c'est ouf, hein. C'est ouf, quand même.
Ça, c'est ouf. Hein. La France a des problèmes de budget. Eh ouais. Subvention... Et toi, tu veux faire des subventions culturelles, mais les gros, on n'a pas de thunes, s'il vous plaît. Un minimum de logique. Juste un minimum de logique. C'est qui a voulu mettre ça? C'est Charlotte. Mais Charlotte, t'es du père ou quoi? Tu te rends pas compte des réalités, là? On ira au théâtre, hein. Tu vois, la recherche agroalimentaire, moi, je suis chaud de l'abolir. Hein. Il commence à me faire chier. Hein. Oh, j'abolis. Les thunes! Argent! Faut rien faire, là! On s'étonne que le SMIC, il monte pas. On n'a pas de thunes. On est obligé de demander à tous nos voisins, là. Des fonds de poche, des petites pièces. C'est une honte. Gardez un œil sur la loyauté de vos membres. Si elle est faible, ils ne vous suivront probablement pas. Bon, on a bien compris que le Seb, il voulait une prime, l'enculé, quoi. Ça, on a compris, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle année. Oh, la corruption, c'est terrible. On a perdu 15 de budget à nouveau. Il y a plus de gens, quand même, en France. Nouvelle élection le 20. Oh, le parti anti-bouffon. Oh, on peut acheter des votes? On peut acheter des pourcentages de... Je savais pas. Je savais tellement pas. Mais je vais full acheter. Mais je vais mais full acheter. On a trop de santé, là. 15,5. Adrien Z. Adrien Zerator Nougaret, impliqué dans un scandale de corruption. Bouh. Aïe, aïe, aïe. 60 ans, deuxième scandale à la gueule. Ah là 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 là. Oui, en effet, il n'aurait pas déclaré toutes les ailes de son manoir. Ce qui paraît, il sous-louait à des migrants dans des conditions absolument terribles. Ça fait mal. Critique le Z. Non, je peux pas critiquer tout le parti blanc. Je peux tout faire, je peux assassiner et tout, mais ça coûte cher. Ça sert pas à grand chose. Là, on va avoir des sous, là. Là, on va avoir des thunasses. 15,5, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, t'as des nouvelles lois qui se développent au fur et à mesure. Tu développes des nouveaux trucs, en fait, au fur et à mesure. Je pense que je fais une petite interview de Lucille. De juste... Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Lucille? Tu vois ce que je veux dire? Merci. Merci beaucoup. Vous avez reçu un petit don d'un partisan inconnu. Merci. Le parti anti-bouffon vaincra. 15,57%. On se remet direct au tract. Voilà, directement, cet amour, il nous permet d'aller envoyer du tract. Et ça, ça, c'est beau, ça. La taxe foncière. Ah, moi, je suis chaud pour une taxe foncière. J'aurais jamais proposé ça, mais j'approuve. Hein. On a besoin d'argent. Argent! On continue à monter. L'argent va redescendre. Combien on chope, là? 100, 130. 116. C'est pas si mal. On avait 111 au dernier. On avait 111, c'est pas mal. Manon va partir. Ah mais Manon, elle a 70 ans, donc déjà, si elle meurt pas avant l'élection, c'est parfait. Dédé le Valois, merci pour le 5e mois. Astro, 3e mois parmi nous. Morgane le frérot, 3e mois aussi. Piu Piu Lover et Diesel, 2 mois. 2 mois de sub. Friday, Adam Elo, 3 mois aussi. Captain Stream, 2 mois. Rourou, 6 mois. Ezekias, 3 mois. 5 mois pour Rebok. Merci beaucoup pour tous les subs re-sub. On a full thune. Il faut qu'on fasse des trucs. Là, ils veulent retirer une loi. Liberté de la presse. Nouvelle loi. Et là, ils veulent enlever une loi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Recruter Adrien peut nous aider. Je pense que quoi qu'il arrive, on achète les pourcentages. Là, on achète les pourcentages. C'est sûr. Est-ce que je recrutais pas Adrien en plus? Je recrute Adrien. Et il part en full flyer aussi. On est partout. On est partout, plus, tout de suite, Lucille, qui dit quoi, Lucille? Lucille, vous pensez, elle dit quoi? Décrire votre travail au Parlement? Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Je vais pas bien parler des socialistes. Je suis un énorme suceur si je parle bien des socialistes. C'est vraiment... Parle bien d'une loi. Je peux bien parler d'une loi. Je peux bien parler d'une loi genre...
Le soin pour tous. Ou alors je suce l'environnement. Je parle mal de la taxe sur les transports en commun, typiquement. Ça peut être bien ça. Ça peut être bien ça. Je parle mal de la taxe sur les transports en commun. Je parle bien d'une loi qui va passer. Bah, il y en a pas beaucoup qui vont bien passer là. J'hésite là. J'ai envie de... Je parle mal d'un truc qui nique l'environnement. Ah. Pas fou. Apparemment, ils ont pas trop gardé. Le vote des citoyens, bon, on va le garder quand même. Hein. Qui a proposé ça? C'est atypique quand même. Hein. On voit qui accepte. Hein. 15,5. Oh, c'est une femme. C'est une femme qui va être élue. C'est le moment de Lucille. Hein. C'est le moment de Lucille, là. 15,6. Oh, y a du mort en plus en face. Liberté de presse. Oh, faut décliner ça. Ah, hein. Oh, faut décliner la liberté de presse, là. Hein. Ah, la liberté de presse, on n'est pas bien, là. Hein. J'envoie du flyer, là. Ah, mais il faut que je réussisse à choper 20%. Ah mais si j'approuve, ça va nous coûter full thune. C'est Jeanne. Jeanne. Et c'est les blancs. Les blancs, ils peuvent voter pour moi après, j'approuve. Ah mais ça me nique des socialistes. Ça me met genre, j'étais du côté du peuple. Ça me met grave du côté du peuple. La loi passe pas, ce qui est l'idéal. Mais ça me met du côté du peuple en mode, ah bah je suis désolé, j'aurais bien aimé vous donner plus de liberté, mais malheureusement, les autres n'ont pas voulu. Oh c'est parfait. C'est fantastique, là. Service d'ambulance, on la garde. C'est ma loi, c'est ma loi. Qui, là? Qui? C'est les bleus, encore, ça. Critique les bleus. Je sais pas quoi faire. Full flyer. Ok, on est en full flyer, là. Est-ce que je refais une interview? Ça fait beaucoup d'interviews, quand même. De Lucille, où je parle un peu de son taf, de ce qu'elle fait au... Citoyen, ça va me coûter 30 balles. Bienvenue, Brésaé. Je vais un peu parler de ce qu'elle fait au Parlement. On a gagné 0,4% là-dessus, hein. C'est énorme. J'achète les votes. J'ai acheté des pourcentages. Oula. Attaque terroriste. Interview. Je promets le bonheur le lendemain. Le lendemain! Le lendemain, sur place, je promets le bonheur! Au conservateur, c'est sublime. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître. Non, on va mettre deux quand même. Boum. Les gens vont mal. Flyer, flyer, flyer. Ah, j'ai tout mis. Ah, je vais être au second tour. 16,3. Second tour. Bon, c'est quand même bien. Putain, j'ai tout mis, gros. J'ai plus une thune, là. Je suis foutu, moi. J'ai plus de ressources, là. Et je dois élever le bonheur, putain. Bon, on a 6 sièges, quand même. 6 sièges, c'est bien. On commence à avoir de plus en plus d'impact. Attends juste que ça soit... Adrien. Oh, vas-y, Mathieu. Mathieu, t'as mérité une petite prime. Personne l'aime, Mathieu, mais au moins, il est intelligent pour rédiger les... C'est pas mal, c'est pas mal, hein. 17,6, c'est énorme, les gars. 17,8, on va faire que monter, hein. On va faire que monter, il y a les élections qui arrivent en 50e semaine, et on a encore un petit peu d'argent. Non, mais aussi, c'est parce que j'ai acheté, en fait. Oh non, c'est encore 20... Oh, c'est Florian. Oh, le 40 à 60. Ils se sont cassés la gueule. Les bleus se sont cassés la gueule. Les bleus se sont cassés la gueule. Et ouais, le Parti National, on les aime bien, les représentants, on les aime pas du tout. Je vais pas être un giga suceur à quand même bien parler du Parti National. 18%. Je dis rien, mais on est en train de frapper très très fort. Je suis une surpuissance. Un peu de LOL aujourd'hui. Attends, déjà on... En coup d'état, là. Putain.
Logement public. On en est où en logement public? 0 sur 3. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ça va mettre 18%. Ils ont apprécié que ça serait... Ah, ça aurait été idéal que ça passe pas. Ça aurait été idéal que ça passe pas. Parce que là, ça nous met dans la merde niveau argent encore. Oh, deux lettres. La France a des problèmes de budget. Un législateur est inspiré... est impliqué dans un scandale de corruption? Corruption dans le parti qui vient d'être élu? Il faudrait peut-être penser à voir dans d'autres partis qui ne pensent qu'à l'intérêt de la France, contrairement à certains qui mettent leurs intérêts personnels avant l'intérêt du peuple. Ah, c'est inadmissible. Ah, c'est inadmissible. Resco, merci pour le Prime. Ah, je suis dégoûté. Est-ce qu'on préfère les lycées ou les parcs? Les parcs. Les environnementalistes sont encore là. Full park. Ah bah c'est... J'ai promis le bonheur quand même. Ah mais le bonheur est monté. Ah, faut que le bonheur soit à deux. Si je pense que je monte le bonheur à deux, je suis C'était Lucille B. Comment ça, c'était Lucille B? Ma Lucille? Non. Non, c'est une autre Lucille B. Ce qui devient d'ailleurs Lucille C. Qu'on ne confonde pas... Oh, niveau com, c'est très très chaud. Ma Lucille B qui se présente, c'est la même que celle qui a fait le scandale. Ah ouais, c'est compliqué là. Compliqué de s'appeler Cahuzac et se présenter là. Bon, j'ai combien de semaines encore pour le bonheur? Encore 13 semaines. Qu'est-ce que je pourrais faire comme loi? Les petites subventions culturelles. Oh, ça nous arrange pas. Aïe, aïe, aïe. Et si j'abroge une loi, là? Oh là là, le bonheur, il va être difficile à mettre bien. Oh, c'est pas facile, hein. Cause subvention. Je dois attendre un peu, en vrai. Supprimer une loi, les maisons de retraite, reward. Ah, là, c'est les lobbies là qui m'envoient des petits 40 balles au black si jamais je supprime la loi sur les maisons de retraite. Ce qui est pas mal en vrai, on a besoin d'argent. Hein. Mais c'est une loi qui... C'est une loi qui est quand même bien aimée, quoi. Et on a assez peu de logements quand même, hein, donc ça va être difficile à faire passer, hein. Elle va pas être passable, celle-là. Ça va me coûter trop cher. 18,8, hein, on fait que grimper. Hein. Recherche agroalimentaire. Putain. C'est qui l'avait fait passer? Ah, c'est deux d'argent. Hein. Ah, je me mets en neutre. Bon, on a bien fait de pas se mettre en abolir. 19%, 19,3%. Le bonheur est à 2 gratuitement. Il est même à 3. Les gars, je suis à 19,3%. On commence les flyers. On commence le travail de soupape. Il faut qu'on reste vers les 19%. 20%, 20%! 21%! Pardon, pas encore. 21! On carjacque la France! Tout le monde est avec moi en plus. Tous les autres partis sauf les bleus. Qu'est-ce que je pourrais dire? On reste focus. Entretien des routes. Droit de timbre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la santé. La santé, on est déjà au max, hein, je crois. Santé, on est à 4 sur 3, là. Éducation, hein. Ça veut pas un peu d'éducation? Non, l'éducation, on est déjà bien. Libéralisme, là, pour les capitalistes. N'oublie pas d'acheter les voix, mais je sais pas si je pourrais. Hein. 70, quand même. 21,3. Putain, notre travail. Entretien des routes. Ouais, je suis chaud d'approuver, hein. Un peu moins de bonheur, certes, mais... Les gens vont pas kiffer, mais au moins... On a de la moula, hein. 21,2, ils ont pas kiffé tant que ça. Droit de timbre. Non, on n'a pas... Désolé, du coup, ça sort de la poche des Français, mais au moins... La planète souffre moins. 21,4, les environnementalistes, ils kiffent. Ils savent que j'amène le pays dans une bonne direction. Faut quand même que je fasse un truc, là. Hein. Parle mal des bleus, j'ai pas d'argent, j'ai que 17, hein. Je peux juste envoyer Adrien au flyer, moi. Service de bus. Personne encore est trop dans le délire transport. Je décline. Il nous faut la France dans une situation positive.
Merde. J'ai perdu 0,4% de vote là-dessus. Fond du parti. Ah non, décliné, décliné. Putain, on est à moins 115, hein, niveau sous. C'est la nourriture. Les gens veulent la nourriture ? J'avoue qu'une loi sur la nourriture pourrait être bien, mais j'ai pas une thune, en fait. 21.4. 21.7. Un membre a quitté son parti. C'est en train de craquer, c'est en train de craquer. 22% ! 22,6. Je renvoie Adrien en full flyer. Il a même pas d'argent. On a une grève. Attaque terroriste. Oh putain. Je peux même pas faire d'interview, je peux rien faire là. Un petit flyer là, on peut pas donner 2-3. 22,3. 40 balles, putain, fantastique, merci. Est-ce que je fais... Je refais une interview pour promettre le bonheur, hein, en fait. Juste, c'est un bonheur, c'est un bonheur qui va être donné. Hein, qui va être donné, hein. Ah, ni plus ni moins. Hein. Interview, Lucille, boum. Le citoyen, c'est quoi ça? C'est mondialiste. J'ai bonjour, bonjour, ça me coûte 58 balles quand même. Ah, on va aller chez le citoyen, c'est moins cher. De rien, demi, je t'ai tout donné. Abolir une taxe. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Abolir une taxe, c'est pas mal aussi, hein. Je promets d'abolir une taxe ou d'élever le bonheur? Abolir une taxe, c'est pas mal quand même, hein. Sachant que les gens sont tristes avec les lois. J'abolis une taxe, hein, je pense, hein. Bonheur, vous pensez? Pinguino, merci beaucoup, parce que les gens ont pas de thunes, hein. Les gens sont tristes avec les lois. Bonheur, c'est du free. C'est vrai qu'il vient d'avoir une attaque, quand même. Ah, il faut que j'amène le bonheur à 3, les gars. C'est chaud, hein. En fait, le truc, c'est que c'est assez chaud, hein. Le bonheur amené à 3, si je le loupe... Bon, on le tente. Pff, 23%. 23,3%. Je renvoie Adrien sur du tract. Mesdames et messieurs. J'achète des voix, en plus. 23,2. Un législateur est impliqué dans un scandale de corruption. Ouh, à deux doigts. 23,1. On y va. Non, pas moi. Un membre a changé de parti. Sébastien nous a quittés. Sébastien est parti du parti anti-bouffon vers le parti national. Ah, oh, il me dégoûte, Seb. Oh, l'enculé. Oh, faut que... Allez. Président. Président ! J'ai 23,7% de voix, je suis premier. Putain. Je vais être en tête-tête maintenant. Je vais être en tête-tête. Tout le monde m'aime bien. Je suis contre qui? Je suis contre les bleus. Personne n'aime les bleus. Personne n'aime les bleus. Personne n'aime les bleus. 23,5. Liberté de presse. J'approuve. Les gens vont m'aimer encore plus. Putain, je peux même pas faire d'interview et tout. 23,7. Oh, je suis contre... Je suis contre le Parti National, je crois. Ah non, c'est Lucille contre Vincent. Lucille. Lucille ! Lucille ! Lucille, la présidente ! Oh, Lulu ! Le parti anti-bouffon ! À la tête de ce pays ! Oh, putain ! Oh, plus de 60%, les larmes ! Oh, les larmes ! Oh, mais Laure, vas-y, père, décroche la présidence pour nous. C'est fait, mon frérot. Merci pour le 5e mois, 30 mois pour Priam. Merci beaucoup. Ah, je veux voir du Team Pax dans le chat, là. Ah, comme ça, gratuitement, je veux voir du Team Pax. Ah, on se sent bien, là. Ah, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans... Ah, bienvenue dans mon pays. Mais alors, les bouffons. Qu'est-ce qu'on va faire, les bouffons de représentants? Hein, électeurs, 11%. Alors, où se situe la France sur la map monde? En sécurité, on n'est pas ouf, hein. C'est vrai qu'on bouffe de l'attaque terroriste à tout va. Hein. En population, 190, on commence à... On ken, quoi. On est là. La France, c'est genre 5e pour l'instant. Et c'est le premier pays à 100. C'est le premier pays à 100, c'est ça tout le but du jeu, en fait. Bon. Là, ce qui est bien, c'est que les gens sont un peu avec moi. J'ai Nolan, j'ai des gens, là. J'ai Claire et tout. Oh, j'ai 3, 6, 7, 8. J'ai 8... Wouah, j'ai 8 sièges à l'Assemblée, c'est beaucoup, hein. Liberté de presse. Alors, on va commencer. Ah, déjà, faut relever l'économie de la France, hein. Hey Domingo, c'était ma maman, Jocelyne hier à Popcorn. Merci pour ta bienveillance à son égard, elle était ravie de pouvoir participer. Gros cœur sur toi. Oh, trop bien, bah t'es génial, Jocelyne. Tu la remercieras encore de ma part.
tellement la meilleure. Moi, je suis plus chaud de bloquer la liberté de la presse, mais de laisser les subventions culturelles, ce qui fait que... Ah, c'est deux quand même que ça enlève. Et là, la liberté de presse, ça enlève un. Sachant que ça va pas être trop... Ah, et ensuite, quand t'es au pouvoir, tu peux retirer directement. Oublie pas de monter à 3 le bonheur. Ah ouais, j'ai oublié de faire ça. Et c'est avant quand? Encore 13 tours. Je pense que je dois... C'est chiant, mais je dois... Attends, je vais mettre une... Mettre une petite prime sur Manon quand même. Avant qu'elle meure. Je pense que ça, je la refuse. Quoi qu'il arrive, elle va être refusée, cette loi. Les bleus, les noirs et les blancs veulent pas. Donc moi, je me mets juste au milieu. Et ça va être refusé naturellement. Sans que j'aie à me prononcer. Ah, désolé le peuple. Par contre, la France a des problèmes de budget. I know, bro. La subvention culturelle, je pourrais approuver. Je pourrais approuver. Ça nous met dans la merde niveau budget, mais au moins, ça m'assure que le bonheur soit mis derrière. Parce que ça va nous mettre moins 2. Mais bon, on est à plus 3. Donc j'approuve. Alors que c'était pas donné, hein. Regarde comment c'était pas donné. 19 à 11. Ouais. Mais je suis le plus gros pays. Et là, full don. Et il me faut full thune, là. 180. 181, je vous nique. Putain, pardon. Ah, je les nique, quand même. Ah, là, je les nique. 26,5%. Boum, le bonheur a été élevé à 3. Mais votez pour un parti qui donne... Parole au peuple, c'est dingue ça. C'est dingue qu'il y a encore des partis qui se présentent à côté de nous. C'est fou. Ah c'est fou, les socialistes m'adorent. Socialistes, ce serait bien qu'ils viennent chez moi. Je les aimerais encore plus. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Le capitalisme là, un peu de libéralisme, ça pourrait être pas mal peut-être. Comment on gagne des points? Je sais pas comment on gagne des points, en vrai. Comment on gagne les points? Full loi, il faut agir. Ah, elle peut pas faire les lois, Lucille? Veto. Oh! Et tu peux faire des recherches. Mais tu peux utiliser, en fait, l'argent du peuple. Je peux voler de l'argent d'ici pour le mettre là dans mon truc. Ou je peux carrément faire un veto sur certaines lois et tout. Après, le souci, c'est que quand ça... En fait, si on fait des lois... Je vais juste faire une petite interview, déjà, de Lucille. Tu vois, j'ai envie de faire une petite interview dans le bonheur. Clac. Petite interview pour... adresser un message à la nation. Archi propre. 27,2%. Je sais pas ce qu'elle a dit. Oh, mais Lulu! Manon, comment ça Manon, tu viens plus là? Et attention Manon. Hein. Moi je veux que les gens viennent. Hein. Est-ce que je recruterai pas Julie pour commencer à faire du tractage de dons? Ça veut abolir une loi là. Ça veut abroger la loi sur les bibliothèques publiques. Non, c'est pas le but, je pense. Je pense que c'est clairement pas le but pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme loi? Il n'y a pas beaucoup de lois. Il n'y a surtout pas beaucoup de lois qui ne niquent pas l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc il faudrait peut-être que j'abroge une loi. Ou alors la prohibition des armes. Ouais, mais on a déjà beaucoup ici et peu de sécurité. En sécurité, on n'est pas si bien que ça. Pour l'instant, je pense qu'on est bien. Et en loi à abolir, peut-être? Un truc sur... C'est lui qui a fait ça? C'est vrai que les bibliothèques publiques... En vrai, les bibliothèques publiques, je pense que je vais approuver. Hein, d'enlever cette loi. Parce qu'on n'a pas besoin de tant d'éducation que ça. On en a déjà bien. Et ça va nous faire pas mal de thunes.
On va faire ça. J'abolis. Comme ça, l'économie va revenir bien. Ouf, heureusement que j'ai voté pour. Hein. Heureusement que j'ai voté pour. Niveau argent, ça nous a mis bien. Un législateur est impliqué dans un scandale de corruption. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Nouvelle loi, droit de timbre. On hésite pour le droit de timbre, mais en même temps, c'est toujours les environnementalistes qui sont à la tête. Mais tu vois, eux, ils veulent full santé. Ça, c'est un peu mal fait. Alors que santé, je suis déjà très bien, quoi. Peut-être nourriture, je pourrais leur donner un peu de bonheur. Nourriture, je pourrais peut-être leur donner un peu de bonheur. Subvention à l'agriculture, je pourrais faire. Sachant qu'on n'est pas ouf à ce niveau. Il faut augmenter la nourriture et la population. Alors, pour gagner des points trophées pour la France, il faut augmenter la nourriture et la population. Le bonheur l'a fait augmenter. Ok, bah du coup, je vais promettre une loi de subvention à l'agriculture. On va faire ça. Sachant qu'on est quand même... plutôt bien. Un législateur est con. Ils sont Lucille C, encore une fois. Elle est où, ma loi? Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait? Droit de timbre. Alors moi, je suis très moyennement chaud pour cette loi-là. Hein. Les environnementalistes, ils vont pas kiffer. Capitalistes non plus. Je suis très moyennement chaud. Mal cliqué. Ah, je décline. Hein. Ah, je décline, allez vous faire foutre. Hein. Ah non, je décline, moi. Fini ces conneries-là. Supprimer une loi sur les transports. La taxe sur les transports en commun. Ah, c'est pas mal, je voulais le faire, ça, à un moment. Ça, c'est un truc que je voulais faire, à un moment. J'ai 20 tours pour faire ça. Je supprime la loi sur les transports en commun. Ce qui fait que ça va augmenter les environnementalistes. J'accepte, ça va me faire un peu de flouze, ça. Un peu de flouzos. J'abroche direct, moi, ça. Et ensuite, je fais nourriture. J'abolis. Boum. Faut qu'ils votent avec moi. Hein. Ok. Heureusement qu'on est très nombreux. Hein. Boum. Comme ça, on a récupéré un peu d'argent. On est très bien, là. Allocation familiale. Hmm. On est bien en santé, les gars. Oh non, j'ai mis au milieu. J'aurais dû mettre non. Oh, égalité, trop bien! Parfait, scénario idéal. Scénario idéal, mon pote. Je stagne à 27%. Bah, c'est parfait de stagner à 27%. C'est plus d'un quart. Kabou, merci pour le troisième mois. J'ai 3 mois, j'adore tes streams, popcorn, raft, etc. en ce moment, Domi. Merci beaucoup, frérot. Jalemba, merci aussi pour le prime. Je pense que je vais recruter Julie, que je vais embaucher et qui va envoyer du flyers. Julie qui a une petite popularité déjà. Donc, c'est plutôt plaisant. Manon, je vais lui mettre une petite prime. Petite prime à Adrien aussi. Et petite prime à Julie, tiens. Voilà, histoire qu'on soit bien. On va faire une nouvelle loi rédigée une fois de plus par Mathieu. Mathieu qui va proposer de mettre une subvention à l'agriculture. Et qu'on approuve. Ah mais je maîtrise ce pays, mais je maîtrise ce pays à merveille. Hein. 27,8. Ils servent à rien. En fait, ils coûtent moins cher quand ils ont 0,0. Ils coûtent genre que 10 là, tu vois. 28%. Je remets Julie en flyer. 27,8%. J'achète pas. Hein. Normalement, je suis largement devant. Po. Le parti unique. Le parti unique. Tout le monde baisse. Il m'aime encore ou pas? Et il m'aime encore, les cons. Ah, oh, c'est fantastique. Abroge la loi sur la limite des mandats. Ah, y a ça. Changer une loi. Oh merde. Il y a un truc sur la limite des mandats. Limite de mandat présidentiel. Oh, c'est que deux. Oh, je vais direct placer ça. Amendement. J'en mets quatre. Attends, déjà, faut qu'on s'assure d'être président. J'en mets quatre ou je mets sans limite. Pas de limite, c'est osé quand même. Ah, s'ils vont kiffer le pas de limite. Bon, vas-y, on tente. Service d'ambulance.
Eh les gars, arrêtez de forcer, on est déjà au max en... Ah, voilà. Donc là, il y a une nouvelle composante qui est l'environnement. Donc ce qui fait que on va avoir plus de lois désormais à débloquer. Donc ça, ce qui est assez plaisant. Nourriture, on l'a mis au max, donc c'est bien. Faut faire attention niveau thune, là. Niveau thune, santé, on est trop devant. Ah, je pourrais abolir le service d'ambulance. Je pense que j'abolis le service d'ambulance. J'abolis. Ah, on peut abolir, on peut abolir. On est beaucoup. On est beaucoup. Ah, on n'abolit pas. Ils sont cons, ils sont cons. Ils sont cons, on a besoin de plus d'argent que de... Bon, est-ce qu'on va passer président à nouveau? Allez, Lucille. Hein. Bien sûr, Lulu! Lulu! Mais qui peut tester Lulu, putain? Lulu, elle est là depuis le début. 5! 5 en popularité, 4 en expérience, 4 en loyauté. Faut faire gaffe, elle a 63 ans, ça va commencer à être chaud. Ça va commencer à être chaud à un moment. On est passé sous les 27%. Alors, limite de mandat présidentiel, changé. Ils savent pas trop quoi voter, tu vas y mettre du jaune, c'est parfait. On est en mandat illimité. On est en mandat illimité, prépare sa succession. Ah, sauf si elle meurt, elle est là à vie. Désormais, désormais Lulu est là. Lulu, on l'aime beaucoup. Hein. Petit message, la France a des problèmes de budget. Ah, j'essaye gros, j'essaye. Hein. Est-ce qu'on veut le lycée ou l'autoroute? Qu'est-ce que veulent les gens? Ah, les capitalistes sont en train de prendre le pouvoir. Ils veulent du libéralisme. Je vais mettre un peu d'autoroute. La petite dictature qui s'installe, mine de rien. Tranquillement. Après, les gens sont heureux. Hein. Taxes de pollution. Ah, j'approuve les taxes de pollution, moi. Ah, j'approuve fou les taxes de pollution, là. On se fait beaucoup plus de bif aussi, on se fait deux par tour, là. Magnifique, ça. Ça nous a monté de combien? 1. C'est Océane, c'est une loi républicaine. Mais c'est pas à 27,5. On est combien, là, niveau France? Ah, c'est fin d'année. Alors, on est bientôt à la fin d'année. L'Admor, merci pour le Prime. Petit coucou de la montagne pour la saison, bonne année, comme toujours à l'LOM. Merci, Voltor. Environnement. On pourrait faire une petite loi sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on aurait comme loi sur l'environnement sympa, là? Le truc, c'est que ça devient dur de faire des lois. Propriété, là, c'est pas mal, ça. Propriété de la variété des plantes. Un peu moins de liberté d'expression, mais voilà, une petite loi tranquille, quoi. Le truc, c'est que ça coûte à chaque fois ici, quoi. J'approuve. Faut l'approuver. Classique. 28% de vote. Il nous faudrait quand même de l'argent là, dans les caisses. Hein. Service de bus. Je pourrais abolir le service de bus. Hein. Oh, c'est compliqué quand même. Hein. C'est quand même compliqué. Hein. C'est pas mal d'avoir un bus. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. En vrai, il y a trop de lois sur la santé là. Faudrait qu'on baisse un peu ça. C'est dur de baisser des trucs. Peut-être mettre ça là à la place. Je sais pas. Vas-y, j'abolis hein, le service de bus. Hein. Et ils vont me niquer, je pense. En même temps, je représente 10 personnes. Hein. Ça reste. Du coup, il y a eu égalité. Merde. Il y a eu égalité. Condamnation pour vol. Donc là, vous voulez que les gens ne soient plus condamnés? C'est quand même un peu border, ça. Hein. Moi, je pense qu'on la garde. Hein. On a besoin d'argent, mais faut pas non plus... Go faire baisser le bonheur pour après faire une promesse de bonheur et toucher de la popularité. Bah là, fin d'année, en fait, notre but est aussi d'avancer en coupe. Hein. Là, on a 6 coupes pour l'instant. Je vais voir sous mon règne combien... Pas sous mon règne, sous mon mandat, pardon. Combien... combien nous avons gagné. Comment la France a évolué, voilà. Spotted, dictature. Droite timbre, bref. Là, il n'y a pas grand-chose qui est hyper intéressant en loi à faire passer. Hein. Tout nous fait perdre de l'argent, et quand ça nous fait pas perdre de l'argent, ça fait... le droit de timbre est pas si mal, quand même. Mais bon, c'est compliqué avec les environnementalistes qui sont là. Un membre est décédé. Dommage, Océane. Un membre est décédé. Ah ouais, on sent que c'est un parti assez vieux, hein, quand même, les Républicains, là. Ah, c'est... Oh, merde, attaque terroriste. Après, attaque terroriste, mais je suis tranquille, hein. Je suis à 3 de bonheur. Peut-être... Là, si c'était roleplay, tu ferais une loi sur la sécurité, ça serait ouf, là.
Je ferais une loi sur la sécurité derrière une attaque terroriste. Ça serait incroyable. Il n'y a rien sur la sécu, là. Il n'y a rien. Si j'abroge... Je peux poser une question, sinon. Hein. Quelle loi est-ce que vous aimeriez voir approuvée? Tout simplement, au final. Alors, soit les bibliothèques publiques, soit les écoles primaires. Ça, c'est 3 d'argent que ça coûte. Ça, c'est 2. On n'est pas déjà bien en éducation? Ah, éducation, il manquait un petit... Ah, 2, c'est dur, hein. Ah, c'est... 9 Doxy, merci pour le sub, bienvenue. Purple aussi sur le 3e mois, et Floyd, 12 mois. Bonne année. Bon anniversaire, surtout. Transforme de tes billets en argent jaune. Non, non, parce que je peux assassiner des gens. T'auras demandé, au moins. Ah, mais on sait qu'ils veulent des bibliothèques... Là, j'aimerais bien, peut-être... Si j'abroge une loi, il me faut un truc que j'abroge qui nous coûte cher. En fait, c'est la santé, en vrai, hein. C'est compliqué d'abroger une loi qui dit « soins pour tous », quoi. Service d'ambulance, on peut pas en plus. Soins pour tous. Ça coûte 3, le soin pour tous, hein. Et ça passerait juste à 2 sur 2. Ça passerait juste à 2 sur 2. Je pense que je peux abroger le soin pour tous. Il est dur, celui-là. Mais... Je mets le soin pour tous. Il est dur, hein. Mais il y a un moment où ça va nous mettre trop bien. J'abolis. Je pense que les Républicains vont voter avec moi. Ouais, parfait, j'ai les Républicains avec moi et je suis trop important maintenant. Et on est à 5 maintenant, on va se faire 5 gold à chaque fois. Parfait, ça nous laisse... J'ai perdu 2,5%. Oh, Claire qui est impliqué dans un scandale de corruption, or tu nous servais à rien, Claire. Clairement, tu nous servais à R. Ah, t'es viré, Claire. 3, 3, 6, 9, 10. Putain. Mathieu, je vais lui mettre une petite prime quand même, qui reste bien avec nous. Julie aussi. Un minima. C'est vrai qu'il faudrait que je forme les autres un peu, là. Clairement. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est prendre un crack d'un autre parti et juste l'acheter, en fait. Ah, Florian Philippot, il coûte 480. Mais ça serait le coup de maître, hein. Genre là, Maxime. Maxime, il me coûte 288. C'est pas donné, quand même. Il n'y a pas des mecs avec une grosse popularité, une belle expérience. Ah, mais il a un scandale au cul et il est jamais là, Vincent. On veut pas de ce genre de personne, nous. Pas de ce genre d'individu ici. Ah, 73 ans, Jeanne, dommage. Hein. Jeanne, je l'aimais bien, mais... C'est difficile, Jeanne a... Ah ouais, eux, ils sont inexpérimentés, as fuck. Personne les aime, là. C'est compliqué, toujours, hein, quand un parti... Ça... Oh, il est bien, lui, Adam. 198, je peux l'acheter bientôt. Hein. Même lui, hein. Ah non, il a 3 absences. Lui, je peux l'acheter tout de suite. En vrai, il me mettrait bien. Hein. C'est vrai que dire que personne n'aime les noirs tout de suite, ça met une ambiance, hein, dans un live. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très, ils sont pas très populaires, le Parti National, là. C'est ton Adam. Ah ouais? Ah putain, je vais le récupérer. Mais il avait pas un scandale au cul, lui, de base? Est-ce que je l'achète? Vous pensez ou on en a pas besoin? J'hésite. Ça a flingué tes relations. Pas tout de suite. Parce que c'est quand la prochaine élection? Pour l'instant, on sait pas. Bute-le. Non, j'ai pas besoin de le buter. Droit de timbre. Droit de timbre, ça ferait beaucoup de... Beaucoup d'argent, quand même. J'ai full thune, mais j'ai pas tant de thune que ça. C'est un peu mon souci, quoi. Droit de timbre, ça rapporterait un timbre. Les bleus et les blancs vont pas vouloir. Qui va bien aimer la loi? Les capitalistes vont pas aimer. Conservateurs, on sait pas trop. Je pense qu'on décline, on n'a pas besoin de ça. J'ai pas mal de thunes. Faut pas grid les thunes. Oh, ils savent pas que c'est moi qui ai... On va recruter Arthur, hein, peut-être, hein, qui va quand même commencer à distribuer un peu de flyers. Là, je suis un peu dans la merde, là. Ah, mais attends. Je vais tout de suite faire une loi, en fait. Enfin, c'est même pas ce que je vais faire, attends. Je vais déjà faire une interview de Lucille. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, quand même, Lucille. Dans Bonjour. Ah, j'ai pas les sous.
Ok, bon, on va blanchir un peu. Je disais donc, une interview de Lucille qui va annoncer écrire et approuver une loi. C'est quoi ça? Allocation familiale. Et là, on va faire une loi avec Mathieu qui va dire que nous mettons les bibliothèques publiques. Qui est une loi qui va passer comme dans du beurre. Et j'ai pas assez d'argent. Du coup, je blanchis. Et c'est bon. Et on est en train de remonter. Allocation familiale. Allocation familiale, frérot, on est bien. On est bien en santé. Hein. Niquez-vous, niquez-vous. Hein. Acceptez pas ça, sinon ça va me mettre dans la merde pour mon budget. Hein. Niquez pas mon budget hein. C'est bon. Heureusement, j'ai 10 mecs. Hein. Dites-vous, j'ai 10 mecs. Hein. Non, je contrôle vraiment le game. J'approuve ça. La bibliothèque publique, j'ai 10 mecs aussi, donc normalement, ça passe en force. Parfait. Je suis à 27% à nouveau. Et dans promesse, là, il n'y a pas eu écrire, approuver une loi, ça y est, c'est passé ça. J'ai gagné 2 points ! 2 points ! Je mets la France sur le podium, moi ! On colle avec les Japonais, les Italiens ! 2 coupes ! Eh, 2 coupes ! Non, non, mais attendez, magnifique, là ! On perd un peu d'argent, certes, mais tout est mieux. Tout est mieux, tout est mieux. La population aussi, hein. Population, ça a l'air d'être très important, ça. On est à 215. On est en train de rattraper les Russes. Les Allemands étaient devant nous. Et on leur met 17 maintenant. Les Italiens, par contre, ils y vont. Non, c'est parfait, ça. Là, je vais rechoper full thune ici. 180. 195. Parce qu'il y a plus de gens, donc plus d'argent. Pff, c'est magnifique, là, hein, ce qu'on fait, hein. Je dois le dire. Je vais recruter Mélanie. Mélanie qu'on va faire monter quand même assez haut dans l'échelle. Arthur, il repart sur du full flyer du stream. Mélanie part un peu sur du flyer aussi. Et on attaque la nouvelle élection. Sereinement. 28%. Oh, Adrien Z encore corrompu. Oh là 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 là. Ah, c'est moche, c'est moche. 10 sièges, comme d'hab. Les Républicains sont présents. Ça se... Les Blancs sont en train de mourir. Il hein. Y a un mec, il est en tôle. Hein. Ah, il y a Adrien Z qui est en tôle, là, carrément. Ah, c'est moche à voir. Hein. Ah, c'est moche à voir. Troisième mandat. Ah non, c'est pas sûr encore. Parce que là, je vais être contre les Républicains. Et moi, comment ça se passe, moi les... C'est les Blancs qui m'aiment pas. Les autres, ils m'aiment bien. Moi, j'ai les Verts et les Roses avec moi et les Noirs. J'ai tout. J'ai tout. Union Européenne. On garde l'Union Européenne, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Je vais remettre le budget en positif. Mais je suis incroyable. Achète le dernier blanc. Non, non, il nous coûte trop d'argent, là. Ça vous laisse faire un petit Frexit tranquille, là. Allez, Lucille, hein. 59%. Elle est un peu en train de craquer. Elle est un peu en train de craquer. Ce qui est quand même un peu dangereux, là. Est-ce que je formerai pas quelqu'un? Je formerai pas Arthur. Arthur qui a 26 ans, il est jeune. Baptiste Castel, merci beaucoup pour le prime. Arthur, je l'envoie en mission. Parce que Lucille, elle a 64 ans, elle commence à... Non, une femme. Je sens que ça va tourner, je sens que ça va tourner. Ils vont vouloir un homme au bout d'un moment. 27.5. 27, eh, c'est magnifique hein, ce qu'on fait. Hein. Là, je vous le dis, ça bouge pas, c'est du conservateur, c'est du... C'est magnifique, fais des recherches. Comment ça, fais des recherches? C'est vrai que je dois faire des recherches. Ça avance tout seul, ça, les recherches, non? Autoroute. Ah, parce qu'en fait, c'est les recherches, du coup, qui te permettent de... Mais tu peux pas décider de faire des recherches. Parce que c'est les recherches qui te permettent, en fait, de débloquer de nouveaux trucs, donc de nouveaux, de nouvelles lois. C'est ça qui est intéressant. Clique sur le président. Ah d'accord, c'est les... Quand on met 30, ça avance de 10 la recherche. D'accord. Mais du coup, là, on n'a pas de thunes. Donc on peut pas, parce qu'on n'est pas en positif. Faut qu'on soit en positif, donc faut qu'on revienne en positif. Je vais attendre un peu. Il y a Nolan qui va faire un peu de flyer tranquillement. Histoire qu'on garde quand même... qu'on maintienne un cap, quoi. Taxe d'habitation.
Les gens sont très heureux quand même. Je peux abolir ça. On va pas abolir ça, que les gens sont très heureux. Là, les gens sont quasiment parfaits sur tout. 26, ça descend. Parc national. Ça nous coûte 1. C'est pas mal, hein. On va approuver ça. Comme ça, on va gagner un peu de libéralisme. Ce que veulent les capitalistes qui ont un peu baissé, quand même. 26,8. Un membre est revenu de mission. Arthur qui a pris 1 de... Arthur, je vais lui mettre une petite prime. Arthur qui est mon numéro 2 maintenant. Arthur que j'aime beaucoup. Alors, droit de timbre. Ah, le droit de timbre, c'est toujours un truc, ça. C'est Adrien P, là, qui veut à tout prix le mettre, là. Le droit de timbre, moi, il me chauffe moyen, quand même. Les capitalistes en veulent pas. On fait pas le droit de timbre maintenant. Décliner, décliner. C'est pas bon pour l'environnement. J'ai 10 sièges, hein. J'ai 10 sièges. Poussez-vous, poussez-vous. Si je dis non, c'est non. Et voilà, 27. Je repasse à 27, du coup, parce que... Ils le savent, les environnementalistes, que je suis en train de protéger le pays. Les soins pour tous. On est bien en soins, là. Faites pas chier non plus, hein. On est bien en soins. Ça va coûter 3, ça va coûter 3. Toi, tu veux ruiner le pays, toi. Ah, je suis niqué, ils vont tous t'accepter, en plus. Ah, les bleus, ils vont jouer contre moi. Il y en a qui vont accepter de ton parti. Ah bon? Ah, mais parce qu'ils sont pas assez... Ah ouais, je regarde pas, là. Et regardez bien la colonne, hein. Regardez les traîtres, hein. Baptiste Castel, merci pour le prime. Ah sinon je peux veto. Mais veto. Veto c'est de l'argent aussi. Je peux pas veto. Je peux pas veto, faut être en positif. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse remonter l'économie. À gauche, deuxième rang. C'est Manon. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle était à zéro de prime là. Putain. Je décline. Est-ce que les bleus vont voter contre? Hein? Ah, ils votent pour. Ils ont voté pour. Putain, ils ont approuvé. Bande de cons. Ça coûte direct super cher. La France a des problèmes de budget, mais bande de cons! C'est impossible de gouverner, vous êtes cons! Ils sont trop cons! Ah, Dieu, qu'ils sont cons! Ah ouais, forcément, les belles paroles et tout, boum. Épidémie. Bon, c'est pas mal, parce que ça a fait que du coup... Comme on va avoir full santé juste après. Pas si mal. On a bientôt l'élection. Hein. Ah, ils sont cons. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme loi, là? Il me faudrait des thunes. En toute amitié, je vous le dis. Il me faut de l'argent. Service de bus. Faut qu'on revienne en positif, là. On est mal, là. Sinon, on se barre de l'Union Européenne, hein. Je peux pas, c'est moi. Les jeux d'argent. Non, mais ça, c'est déjà légalisé, là. C'est pour enlever une loi. Là, ce serait pour enlever une loi qui nous coûte de l'argent. Mais tu vois, y a rien, on est vraiment en surf, quoi. C'est ça qui est un peu dur, là. Je vais juste faire une interview, en fait. Je vais faire une interview de Lucille. Dans Le Citoyen. Et je vais... Est-ce qu'elle adresse un message à une nation? À la nation? Ou elle parle bien d'une loi, genre un peu... Ah, le contrôle de la pollution. Protection de la variété des plantes. Non, je parle bien de la protection de la variété des plantes. Ah, mauvais move. C'est de la merde de parler des lois, hein. Je veux juste faire des interviews où elle dit merci. Oh, j'ai perdu pas mal de pourcentage. Putain, c'est parce que Nolan, il est impliqué dans un truc de corruption encore. Ah, mais dégage, Nolan. Ah ouais, les scandales comme ça, ça nous fait mal. En vrai, ça nous fait hyper mal. Ah, il y a Manon. Attends, il y a Mathieu, là, qui a besoin d'une petite prime. Il y a Adrien qui a besoin d'une petite prime aussi. Il y a Manon qu'on pourrait recruter. Putain, on n'est pas ouf, là. Fait une interview d'Arthur. Je fais une petite interview d'Arthur, ouais. Petite interview de tuteur au citoyen qui va expliquer c'est quoi son taf, je pense. Ça peut être bien, ça. Ça peut être assez habile. Tu as viré le mauvais Nolan. Non, non, c'est bon. Sinon, il y aurait marqué qu'il a des procès au cul. Bon, on est en train de baisser, là.
est en train de baisser ça. Alors on va faire un petit sondage. Quelle loi est-ce que vous aimeriez être approuvée? École primaire. Ah, ils ont plus que ça. Hein. Ah, mais ça coûte hyper cher, ça, les gars. Ils sont mignons aussi, eux. Hop, il va parler un peu de son travail au Parlement. C'est bien, ça nous a fait gagner, là. Maison de retraite. Ah, eux, ils sont full environnementalistes, hein. Ça y est. Là, les environnementaux... Putain, faut que je fasse une loi pro-environnement, mais c'est chaud. Il y a quoi comme loi pro-environnement que je peux envoyer? Contrôle de la pollution. Mais ça va nous coûter 1, ça. Et on est déjà en négatif. Oh là là, on est dans la merde. Faut que j'abolisse les maisons de retraite, sinon. C'est un peu dur, mais... Je vais abolir les maisons de retraite. J'abolis les maisons de retraite. C'est décidé. Ça va nous faire gagner 1. Ce même 1 qui va faire que je fais une nouvelle loi par Mathieu pour justement le contrôle de la pollution. Qui me coûte 13. Clac, boum, je blanchis un peu. L'air de rien. Et j'approuve cette loi. Qui vote contre moi là? Pourquoi c'est Vincent qui vote contre moi là? Le mec a zéro popularité, zéro expérience, que de la loyauté. Tu sers à quoi, Vincent? 25%? Là, j'ai fait un bon move pour vous, les gars. Taxe sur les transports en commun. Non, on va pas faire ça, nous. On va archi pas faire ça, là. Xaxa, Captain Xaxa, merci pour le Prime. Achète un mec. En fait, j'ai pas besoin d'acheter un mec. Acheter un mec te permet juste... De mieux faire passer tes lois. Là, j'ai tous mes gars, là. Non, en vrai, j'ai tous mes gars, juste... Juste faudrait que... Abroger une loi. Zéro, je vais faire ça. Abroger une loi, légaliser la prostitution. Eh, c'est des fils de pute, hein. Ils veulent me faire tomber. Hein. Là, ils veulent clairement me faire tomber. Hein. Là, c'est le moment où... Où ils veulent me faire tomber, quoi. On y est. Moi, je la décline, cette... Moi, je suis un président écolo, hein. Je suis un vrai président écolo, hein. Apparemment, ils s'en rendent pas si compte que ça. Supprimer une loi, la taxe d'habitation. Personne n'aime payer ses taxes. Mais j'ai pas supprimé cette loi. Je vais pas supprimer la taxe d'habitation. J'ai trop besoin, elle me rapporte 4 d'argent. On est dans la merde niveau argent. C'était écolo, ça, justement. La taxe sur les transports en commun? Non, non. Bah non, gros. Taxer les transports en commun. Le but, c'est de faire prendre les transports en commun aux gens. J'avais pas vu, merci Lay pour le petit don, merci beaucoup. Et The Blaze, merci pour le troisième mois. Paye des votes, limite. Non, non, ça je refuse. Et c'était quoi? Petit don de 40 balles, gratos. Non, il faudrait que je tège une loi qui nous coûte de l'argent. Un truc qui nous coûte de l'argent, genre... En vrai, on a trop de santé, on a trop de santé. Le soin pour tous, je dois le tège. Ou... On doit tège un truc lié à la santé. C'est plus possible, là. C'est plus possible, juste. Ça nous met dans la merde. On est dans la merde, voilà, on est dans la merde à cause de je sais pas qui, là. Je fais sauter ça. Je fais sauter les services d'ambulance. On est dans la merde. J'abolis. Et je pense que les bleus vont abolir aussi. Les bleus abolissent aussi. Soin pour tous, je pouvais pas, parce que elle est passée trop récemment. Voilà, donc ça dormait à l'équivalence, à moi. Faut garder les jeux d'argent. La légalisation des jeux d'argent, faut qu'on le garde, hein. Et ouais, à force de tout privatiser, là, on va plus rien toucher, nous. Arthur, envoie du flyer un peu, là. On est à 2 jours de l'élection. On n'est pas non plus assuré. Légaliser la prostitution. On garde. Abolissez pas! Mais qui sont... Vas-y, ils sont trop cons! Vous servez à rien! Il y a déjà 8 de bonheur! Vous leur donnez plus de bonheur aux gens! Vous êtes trop cons! J'en peux plus, moi. Partir en Italie, hein. Eh, je perds un siège. Putain, je perds un siège. Ah, ils sont finis, les parties. Je vais acheter un mec. J'ai décidé, j'achète un mec. Je veux 10 sièges. 10 sièges, c'est trop bien. 10 sièges, ça te permet trop de choses. J'achète Adam. Adam est avec moi. Boum, j'ai 10 sièges. Et je fais mal en plus à mon concurrent direct qui est les Républicains. Et le Parti National, il est quand même avec moi. Assassine, c'est moins cher. Non, parce que c'est remplacé en fait. Si t'assassines, c'est juste remplacé. Ah, parfait. On a les autoroutes. On va pouvoir taxer, là. Liberté de presse. Ah, oh, je suis désolé, les gars. Je vais devoir vous dire non. Ah, mais tout le monde dit déjà non. Ah bah, dans ce cas, je me mets en neutre.
Je me mets en neutre. J'ai que 25%. Hein. Je vais être contre qui, là? Contre les bleus? Oh, je suis contre Adam. Lucille contre Adam. Allez, Lucille. Le back-to-back. 53%, ça commence à être très chaud. Lucille est en bout de course. Lucille est en gros bout de course, là. Lucille est en fin de vie. Hein. Là, il faut bien le comprendre. On a Adam qui est avec nous. Adam qui va tout de suite remonter très très haut. Adam qui pourrait être notre numéro 2, d'ailleurs. Adam qui a déjà présidé Lucille 4 mandats de suite. Hein. Ok. Du coup, là, il nous faut des taxes. Il faut qu'on fasse des taxes sur... Vas-y, Adam. Il faut des taxes sur... Il faut qu'on fasse des sous, là. Taxes automobiles. Les gens sont trop heureux. Taxes automobiles ! Parfait ! Parfait pour l'environnement ! Parfait pour l'argent ! J'aime ! J'approuve ! Les gens sont pas contents, c'est la vie. Hein. Mais nous, on commence à être en difficulté, là. On commence à être en difficulté pour un membre de faible loyauté et meilleur à virer. Ah, Julie, on me met des pressions pour te virer. Hein. Je sais pas trop comment dire, mais... En bas à gauche, traître. C'est Arthur le traître ? Interdiction de fumer. On s'en fout, on la garde, celle-là. Je pourrais abolir, mais je préfère abolir un truc... Parce que, attends, les gens se sentent comment, là ? C'est une démocratie ou pas ? On voit pas on voit pas comment ils se sentent, en fait. Des taxes. Non, mais là, on va foutre des choses, là. J'ai 24%. C'est un peu la merde. Hein. Je pense pas rester trop longtemps. Déjà, 4 mandats de suite, honnêtement, c'est bien. 4 mandats de suite, c'est bien. Faut taxer, là, je pense. Hein. En vrai, faut taxer. C'est ça qui est dur, quoi. C'est que... Y a un moment, y a pas trop le choix, là. On a fait un bon geste pour l'environnement. Je pense que le prochain, je ne vais plus être président. Faut pas se voiler la face, les gars. Péage ? C'est quoi les péages ? Péage, on peut faire. Péage, on peut faire. J'ai même pas l'argent, moi-même. Oh, j'ai quand même été un président très actif. Hein. J'espère qu'ils l'oublieront pas, ça. Hein, j'espère qu'ils l'oublieront pas. Je mets les péages, on approuve les péages. Le bonheur des gens a pas mal baissé, mais dans l'ensemble, on est quand même très bien. Ah, mais du coup, honnêtement, j'ai fait des choses où... Parcs nationaux. Non, c'est bien les parcs nationaux, regardez. En fait, j'ai fait des trucs où ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué parce que je fais beaucoup de choix pour le pays, quoi. Mais pour le pays, ça devient vite... On va mettre un peu d'éducation ici. L'éducation avait l'air compliquée, on va jouer pour le lycée. Moins 123, c'est dur. Hein. Mais là, normalement, on va avoir beaucoup de flèches vers le haut, là. Si je dis pas de bêtises. Allocation familiale. Ah, je peux pas mettre des allocs, là, les gars. Je peux pas mettre des allocs, on est déjà en galère. Lucille doit prendre sa retraite avant les élections. Lucille, elle enchaîne les beaux mandats. Hein. La France a des problèmes de budget. Voilà, on est à plus 2, là. Je crois qu'il y en a un autre qui va arriver. Recherche agroalimentaire. Le truc, c'est que l'agroalimentaire, c'est ce qui fait qu'on est bien, quoi. La France est le pays le plus écolo, là, pour l'instant, au monde. Hein. C'est beau. 248, la population de la France. Hein. C'est nous qui prenons le plus de gens chaque année. Hein. On a fait une année énorme l'an dernier. Honnêtement, c'était énorme, hein, ce qu'on a fait. On a mis la France ici bien. On va voir la fin de cette année aussi. Mais j'ai mis la France, là, sur mes plusieurs mandats. Enfin, sur mes 4 mandats. C'est énorme. Recherche agroalimentaire. Non, on va le garder, ça. Le parti des fonds bouts. Non, on le garde, on a besoin. La nourriture, c'est ce qui fait notre avance. 25% à nouveau. Permis de conduire, c'est-à-dire. C'est-à-dire permis de conduire. C'est pas con, hein, de mettre un truc de permis de conduire, c'est vrai, mais... Enlève la taxe pour les... Je m'en fous, là. J'ai toutes les taxes du monde, là. Un truc pas mal, mais... Comment ils vont voter, eux?
Tout le monde va voter contre. Normalement, si je me mets là, les gens votent contre. Même s'ils sont nombreux, les Républicains. J'ai pas à m'engager là-dessus. Parfait, j'ai pas à m'engager sur ce sujet. C'est magnifique. Attaque terroriste. Ça commence à faire beaucoup. Il nous faut peut-être un peu de sécurité, là, dans le pays. Hein. Droit de timbre. Oh, le droit de timbre, il mettrait bien. Il mettrait bien. Il est un peu dur, le droit de timbre. Mais comme on a 3... On a 3 sur 2 en environnement. Non, c'est bien. On continue à être le pays le plus... J'aurais pu faire la diff. Ça nous aurait mis à moins 3, quoi. Enfin, à plus 3. Alors, comment cette année? Pff, vas-y, je prends 3 coupes. Je suis le meilleur président. Je suis le meilleur président qu'on ait jamais connu. C'est bon. 37 de population, 3 coupes. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la crise dans le monde. Moi, je nous mets à un stade. C'est bon, arrêtez. Arrêtez de postuler chaque année. Arrêtez de faire des listes, là. Contactez-moi, parlez-moi. C'est fou, là. C'est fou, ce qu'on fait. On en est où, en pomme? En pomme, on est deuxième. Population, 252. On a mangé quasiment les Italiens. On est à plus 30 de l'Allemagne. Enfin, on les voit plus. On les voit plus. Concrètement. Ah, concrètement, non, on les voit plus, là. C'est... Mais du coup, pour gagner, il faut 100 coupes. Enfin, c'est un jeu... Encore une fois, les mecs, ça peut jamais mettre de limite à leur jeu, quoi. Ils se disent, faut qu'on joue jusqu'à la fin, quoi. Maintenant, on remonte le budget. Ouais. Mais là, j'ai limite envie de pas être président, tu vois. En vrai. Pour... Oh, je sais pas, hein, c'est pas mal d'être président, quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Parce qu'en fait, du coup, j'ai l'impression de pas pouvoir faire des vraies lois pour redresser tout ça, là. C'est de laisser un peu le pouvoir, de voir les autres faire de la merde et de revenir. T'as plus 150 en prenant la thune des autres pays. Accepte de l'aide, bon Dieu. Comment ça? Attaque terroriste, sale bail, ça. Hein. Fonds internationaux. Ah mais c'est un prêt, quoi. Là, c'est je leur emprunte 150 balles, là. C'est ça le truc, je vais devoir leur rendre. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un prêt maintenant? Je suis pas sûr, moi. Vous pensez qu'on a besoin d'un prêt? Moi, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un prêt, là. Ah, vous pensez qu'on a besoin d'un prêt, vous? Moi, je ne me trouve pas si mal, hein. Je trouve pas si mal, on n'est pas bien, mais on se maintient, quoi. Le prêt, on l'a en situation critique. Un membre a quitté son parti, dégage. C'est quoi ces gens pas fidèles, là? Mathieu, tiens, je te mets une petite prime. Je comprends que ça peut être difficile. 25%, soins pour tous, abolir les soins pour tous. Oh, c'est border, ça, quand même. Nourriture, je pourrais pousser un peu plus en nourriture encore, là. Ça pourrait être bien, ça. Très border là de. On garde, on garde. J'aurais pu jouer neutre, ouais. Mais bon. Ok, ça quitte les parties. On va choper 180 encore. Non, un peu moins. 205. Incroyable. J'ai envoyé Arthur faire des petits flyers. Petite Lucille qui va nous faire... Lucille qui va tout de suite nous faire... Une petite annonce présidentielle. Subvention culturelle. J'avoue que je kifferais bien abolir les subventions culturelles, là. J'abolis. Oh, c'est border, quand même. Oh, c'est moyen. Oh, c'est moyen, mais ça passe. Boum. Et eux, est-ce que je pourrais pas promettre d'abolir une taxe? Mais toi, Manon, elle commence à me péter les couilles à jamais être... Manon, je dois la renflouer en permanence. Parce que si je promets d'abolir une taxe, je suis vraiment le Kingos, quoi. Si je promets d'abolir la taxe automobile, je suis vraiment Kingos. J'hésite. Ou alors elle adresse juste un message à la nation. Elle adresse un message à la nation.
Ouais, un peu, ça nous remet un peu de peps. Il te faut les thunes, mais on a 4, hein, on est pas mal. Hein. Poda, merci, merci pour le prime. Tous les pays sont en déficit, quoi. Ils jouent avec ça. Non, c'est écolo, ça. C'est pas mal, hein. Arrête de faire des lois. Bah, en vrai, si je pense si un membre a volé de l'argent du parti. Il est sous de ma gueule ou quoi, fils de pute, là? Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, enculé? Mais c'est qu'elle a cru quoi, lui? Mais t'es fou? Un membre a volé de l'argent de son... Mais t'es fou? 10 balles en plus? Le mec est venu, m'a volé 10 balles! Mais t'es un malade mental! Ah, j'ai envie de le virer de toutes mes forces, là. Alors, je le vire pas, mais je le mets en bas de l'échelon. Hein. Je le mets en bas de l'échelon. Hein. C'est vraiment un chien, hein. Il est derrière Florian. Hein. Il est derrière Florian qui a 81 ans, qui s'est lancé en politique il y a 2 ans. Ah, mais lui, là, mais... À deux doigts de lui demander d'aller distribuer des flyers, quoi. Putain. J'ai oublié de le garder, sinon... Feu de forêt. Bon, on perd le truc d'environnement qu'on avait. Donc c'est pas si horrible que ça. Il faudrait un peu de nourriture pour... Oh, je m'envole. Hein. J'ai remis 10 sièges. Les Républicains sont forts à nouveau. Oh, c'est fini pour les Blancs. Hein. Les Blancs, c'est fini. Hein. Faut... Là, il y a un moment, il faut vendre le parti. Hein. Je sais pas comment on fait, mais... Je sais pas comment ça marche, ce genre de truc, mais... Ah, il s'agirait... Transport. 0 sur 0. On va garder. On va garder. On est à 4 pour l'instant de loi. On est pas mal, en vrai. Allez. Allez, Lucille. Hein. Allez, Lucille. C'est bien. Pff, 53%. Ça devient serré. Hein. Ça devient serré, en vrai. Hein. Ça devient serré. Faut que j'ai des alliés plus forts, là, je pense. Faut que j'ai des alliés plus forts. Faut que... Arthur, il va parler aux citoyens pour pas très cher. Qu'est-ce qu'il va dire, Arthur? Arthur, il peut promettre d'élever le bonheur. À 4, c'est quand même... C'est beaucoup, hein. Ouais, je sais pas. Bon, il va juste parler un peu de son taf. Voilà, parfait. Parfait, ça. Sublime. On a un peu d'argent. On continue la distribution de flyers. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. On est quasiment à 28%. Légaliser la prostitution. Ah, ça fait baisser beaucoup, hein, quand même. Ça fait baisser beaucoup, hein, de légaliser la prostitution. Achète le blanc. Charlotte, elle est pas prête de partir. Achète ou assassine quelqu'un. En fait, j'ai pas besoin de tant que ça. Je pourrais assassiner un gros représentant. Je pourrais grave... Attends. C'est cher. Je pourrais assassiner, genre... Attendre un peu à assassiner Nolan. Mais Nolan va mourir. Quoi qu'il arrive. Assassiner Adam, ça serait beau. Hein. Assassiner Adam, ça serait bien. Je pense. Légaliser la prostitution... Il y en a beaucoup qui vont pas vouloir, quoi. Je peux me mettre en blanc, je pense que ça passe. Je vote neutre. J'aurais dû voter contre, je suis con. J'ai fait une réflexion débile. École primaire. Ah, ça nous met .3, ça. C'est ce que les gens veulent aussi. Les bleus vont voter contre. On a besoin d'argent, en vrai. En vrai, on a besoin d'argent, quand même. Non, j'ai pas besoin de prime, là, je pense. On n'a pas assez de thunes, mais ça fait chier, parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens... C'est ce que le peuple veut. En même temps, la prochaine élection, elle est loin. C'est pas ouf, ça. Hein. Ça, c'est pas ouf. Hein. Oh, elle est quand même approuvée. Elle est quand même approuvée, malgré qu'on ait fait blocus. Oh, c'est dur, ça. Là, c'est dur. Là, je dois avouer que c'est un peu dur. On est en chute libre, là, dans les sondages. Taxe sur les revenus. Ah ouais, non, mais là, je peux pas... La taxe sur les revenus, elle est trop importante. Hein. Je la garde. C'est Lucille. C'est Lucille qui l'avait mis en place, en plus. On est obligé de la garder. La France a des problèmes de budget. No shit.
Allocation familiale. On peut pas les gars, on a des problèmes de budget. Biano, bienvenue à toi. Merci pour le sub. En vrai, on est bien là. Hein. Juste si on continue à évoluer, y a pas une loi sur la nourriture, histoire qu'on soit vraiment le meilleur pays au monde. On peut rien faire sur la nourriture là. On peut pas aller chercher plus. Si j'abroge un truc qui nous nique peut-être niveau nourriture. C'est la taxe foncière. Ouais, dur à enlever celle-là. On a combien, 94? Ah ouais, mais Adam, c'est 139 pour le tuer. Hein. J'aurais pas assez d'ici là, là. J'aurais pas du tout assez. Ah, blanchir, maintenant, c'est moins cher, en plus. Ah, je sais pas, putain. La sécu. Je pourrais mettre un peu de sécu, mais ça va me coûter forcément de l'argent. Il y a aucun moment où... Je peux même pas en plus. Il y a aucun moment où je peux faire des lois qui coûtent pas d'argent, quoi. Ce qui est un peu chiant. Le droit de timbre, les gens vont pas trop kiffer, mais ça nous ferait de l'argent. Recherche et rembourse. Moi, je peux pas mettre... Après, je peux mettre de mes fonds, je crois. Je crois que je peux donner de mes fonds. Banque nationale. Je crois que je peux donner de mes fonds directement dans les coffres de l'État. Ah, si je donne 30, ça fait 10. C'est pas ouf, hein. Je fais plus trop d'interviews. T'as raison, mon pote. On va en faire une tout de suite. De Lucille. Lucille elle spam le citoyen qui coûte qui est plutôt bien. Boum. Petit message à la nation. Ça fait de moins en moins le taf, quand même, les messages à la nation, là. Hein. Fond du parti. Bah non, on n'a pas de thunes. On va pas faire ça, quand même. On va quand même pas faire ça, les fonds internationaux. On pourrait demander des fonds internationaux. Hein. Supprimer une loi à la taxe d'habitation. Ah non, je peux pas, les gars. Pas pour 50 balles, vous êtes malades. Taxe foncière. Ah mais on est archi pas en possibilité de supprimer la taxe foncière. Hein. Sauf si je fais un truc de fonds internationaux et que je supprime la taxe foncière derrière. Faire ça. Ce qui fait qu'on a 94 gold. J'abolis. Et en termes de nourriture, on va aller très très haut. Je vais donner un peu de ma poche. Pour participer à l'effort collectif. Pour montrer qu'on est logement public. Alors ne nous chauffons pas non plus, on va garder ça. On va garder. Si, si, vous allez voir. Parce que le but, en fait, c'est d'être à 100. Hein, en ça, là. Et c'est grâce aux pommes, je crois. Et on est les seuls à 3 pommes pour l'instant. On va prendre beaucoup de coupes. Hein. Je pense qu'on va prendre beaucoup de coupes. C'est risqué, mais en fait, on se donne du temps. Pour qui allez-vous voter pour les prochaines élections? On est large. Les sondages sont bons. Législateur impliqué dans un scandale de corruption. Taxe sur les transports en commun. Le transport, on n'a pas besoin de transport. Ils nous demandent rien en transport, donc... Santé, on a un peu trop. Et éducation, on a un peu trop. On fera sûrement un sondage pour savoir ce qu'ils veulent. Permis de conduire. Permis de conduire, je vais décliner aussi. Faut être au-dessus de 30% pour avoir un 11e mec. Ah ouais, mais je cherche pas forcément de 11e mec. Là, je suis à 28%, je suis bien. Je suis à 28,35. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à... Subvention culturelle. C'est chaud, ça, les gars. C'est chaud, j'aimerais bien, mais on n'a pas besoin d'éducation. Je viens de dire qu'on en avait trop. On en a besoin que d'un d'éducation. Éducation, ça va sauter. Hein. Éducation, il y a des trucs qui vont sauter. Hein. Dès que je suis élu, boum, on fait tomber des lois. Un petit moment à Noël, là, clac, tout le monde est en famille. Combien on chope? 28%? 28,4. Parfait, les Républicains ont baissé. Le parti national qui commence à pas trop nous aimer, d'ailleurs. Hein. Les mecs commencent à tous pas trop nous aimer, en vrai, parce que je les bloque. Je les bloque, donc ils essayent de me bouger. Ça qui fait chier. Ça qui a la recherche qui arrive aussi. La recherche, c'est sur quoi, là? C'est sur le lycée.
coup, ça va être là-dessus. Toujours contre Adam. 53,5%. Lucille qui va enchaîner. Lucille qui enchaîne désormais son sixième mandat. La dictature est totale. Ok, on pose une question. Quelle loi est-ce que vous aimeriez voir approuvée? On va pas forcément suivre. Les gens souhaiteraient voir le droit de timbre. Bah écoute, bienvenue. Bienvenue, j'ai particulièrement besoin d'argent. J'approuve le droit de timbre. Allez les gars, votez avec moi, votez avec moi. Ah chaud. Ça passe pas ça. Tous les bleus ont voté contre, ces enculés. Lui, il a voté, il sait pas, Adrien, là. C'est le moment de me mettre des je sais pas. Quand on fait un effort d'équipe. Je vais juste l'assassiner, l'autre. Hein. Ah, les bleus, ils me mettent mal. Hein. Jessineco, merci beaucoup pour le sub. Et c'est quoi le deuxième truc qu'ils ont mis? Limitation des émissions de véhicules. Ah ouais, mais du coup, je suis niqué, là. J'aurais dû acheter des votes. Hein. J'aurais acheté des votes, ça m'aurait mis bien. Ça allait vite, en fait. J'ai pas su faire. Parce que là, il va nous falloir des sous. Hein. Je pourrais mettre la taxe foncière. Enfin, pas tout de suite, en l'occurrence, que ça a été fait trop tôt. Trop récemment. Ouais, école primaire, c'est important, quand même. Bibliothèque publique, hein. Je pense que je vais faire sauter la bibliothèque publique. Lycée. Recherche, l'éducation, éducation sexuelle. Ok, parfait. On va abolir les bibliothèques publiques, ce qui fait qu'on va être à 2 sur 2 et on va récupérer un peu d'argent. Ce qui fait qu'on va être dans le positif. Attaque terroriste. Ah putain, c'est vrai qu'il est temps d'avoir des gardes aussi là. Là, je sais pas ce qu'il faut, mais un membre est décédé. Ok. Là, quel âge nous? 65 ans. Et là, on est bien, vous voyez. Service d'ambulance. On n'a pas besoin d'ambulance, là. Ah, non, mais plus toujours. Vous êtes débiles. Vous êtes débiles. Vous êtes des abrutis finis. Dès que je remets l'économie bien, vous me remettez dans la merde. Vous êtes des mongols. Alors que regarde un peu. Deux coupes encore, je ramène à la maison. Deux coupes. Deux coupes, un beau budget. 150 d'emprunt. 29 de bénéfices. Population qui augmente de 29. Une nation qui roule sur tous les autres. Le Japon qui essaie de s'accrocher. La Russie, l'Allemagne, tout le monde est dans le rétro. Oh, les Turcs, ils ont une coupe. On n'est pas ultra-libéral, on est un peu libéral en soum-soum. 280, on mange tout, on est la plus grosse nation. Si, il y a le Japon à 297 de population. On est la deuxième plus grosse nation en niveau de population. Ah, j'aurais pu veto. J'aurais pu veto, putain. Faut qu'on garde nos sièges quand même. Hein. T'as un trait dans ton parti. Ah, mais ça, c'est chaud. Oh, merci. Merci pour les 40 balles. C'est magnifique. Le transport, ça va commencer à être nécessaire. Parce que faire une loi sur le transport, j'imagine que ça va être encore quelque chose, ça. Forcément, ça va nous coûter de l'argent. Ou de devoir taxer un peu les transports en commun et on peut pas le faire. Le droit de timbre, il n'était pas passé déjà. Et c'est forcément le permis de conduire qui pourrait passer, mais ça nous met dans la merde financièrement. Qu'est-ce qui nous mettrait bien financièrement? De légaliser la prostitution. Mais on gagne pas beaucoup. Un peu de libéralisme, un peu de ça, pour pas grand-chose quand même. On va plaire à qui? On va plaire aux capitalistes. On va pas plaire aux conservateurs ni aux nationalistes. Les environnementalistes, ouais, je pense faut... C'est une OP le jeu. Non, sinon... Il y a même une émote pour ça. Mizou, merci pour le deuxième mois. Là, je suis avec la webcam, là, si vous voulez tout savoir. Comme je peux pas faire sauter une loi santé. Je montre un peu là ce qu'il y a. En loi santé. Je peux faire sauter le soin pour tous, quoi. C'est quand même... C'est fort, quoi, quand même. On sent que c'est fort. C'est un choix, quoi.
doit mourir. PH, je vais mettre PH, ça va nous mettre dans la merde. Non, non, en vrai, je pense que je vais mettre... Ah, mais j'ai entretien des routes aussi. Je peux juste mettre 3 taxes pour l'entretien des routes. Mais bienvenue. Je suis trop con. J'ai fait sauter la loi. Je pensais que j'allais proposer une loi. Je suis un... Oh là là. Oh, je suis un président qui... Je suis un président qui commence à avoir des soucis, là. Hein. Alors... Non, moi, je veux légaliser la prostitution, du coup. Voilà. Du coup, je propose d'approuver cette loi. Massivement. Approuvé. 14-14. Il faisait quoi, Mathieu? Hein, c'est Mathieu qui... Putain, mais... Qui est contre moi, là? Ah, les bleus et les noirs, ils sont full contre moi. Hein. Bleu-noir, maintenant, et... Ah, le souci, c'est que je sais pas comment récupérer. Récupérer les gens. Non, ça, faut que je le garde, en fait. Oh, du coup, on l'abolit. Oh non, on va l'abolir. C'est bon, heureusement que j'ai quand même beaucoup de gens. Heureusement que j'ai beaucoup de gens. Chemin de fer. Allez, les cheminots, c'est pour vous. Parle bien d'un parti. Je pense que je peux bien parler des noirs, peut-être. Ça peut me mettre bien. Je vais avoir 180, 200. 180. Ah, ça a baissé pour tout le monde, hein. C'est la crise, là. Liberté de presse. On n'a pas besoin de liberté de presse. En fait, le souci, c'est que là, par exemple, c'est un rose qui vote. Donc, Et si les roses, je vote que contre eux, là, forcément, ils vont me détester à force, tu vois. C'est ça qui est compliqué, c'est que là, comme je bloque beaucoup toutes les lois, tu vois, boum, ils m'ont mis moins, là. Et c'est ça qui fait l'équilibre, c'est que du coup... Je vais faire une interview. Je veux dire du bien. Je veux dire du bien des noirs. Voilà, comme ça, ils me détestent un peu moins. Mais putain, je leur file mon audio. Mais je leur file grave, mais... Oh là là, c'est pas bon, ça. Garder, abolir. Ça nous file deux. La nourriture, c'est le but, hein. Non, juste, on a trop de santé, nous. Notre souci, c'est qu'on a trop de santé, là. Achète le dernier blanc. Il coûte 1000. Je peux pas. Par contre, je peux tuer Adam. Je peux grave tuer Adam. Dire du bien des noirs. Je suis un peu dans la merde, là. Je sais pas quoi faire tant que ça, quoi. Vas-y, je le bute. Boum, il est mort. Comment ça? Il est pas mort? Comment ça, il est pas mort, là? Moi... Je l'ai déjà tué, là, soi-disant. Je l'ai déjà tué, soi-disant. Il meurt quand? Mais gros, je t'ai tué! Il avait un passif. Mais non! Et pour les gens qui viennent d'arriver, c'est compliqué un peu. Ah bah là, on est dans quelque chose. Non, mais là, je suis en train de tout perdre. Ah! Un membre a été retrouvé mort. Ah bah merde. Ah bah on envoie une lettre. Hein. Oh, je commémore. Oh, j'envoie 10 parce que, au final, même si on était de partis politiques différents, l'humain est le plus important. Hein. Gloire à l'humain. Ce qu'il faut retenir. Hein. Non, non, les... Non, mais là, je vais pas avoir beaucoup de sièges, moi. Je suis pas en grosse dinguerie, là, hein, durant le... C'est de moins en moins lourd, là, ce que je suis en train de faire. Hein. Je recrute Manon. Manon qui va distribuer des flyers aussi. Maison de retraite. Ah, les gars, là, vous commencez à me faire chier, là. Honnêtement, vous commencez à me faire chier parce que je refuse toutes les... Tout le monde va me détester, en fait. Genre, honnêtement, tout le monde va me détester, hein. Les socialistes, ils me détestent. Ils me détestent, les socialistes. Toutes les lois qu'ils proposent, je les bloque. Je suis à... Ah ouais, on est en chute libre, là. Il nous faut des trucs, là, quand même.
Il nous faut quelque chose. Déjà, il nous faut de l'argent. En vrai, il nous faut de l'argent. Droit de timbre, ça va pas passer ça, putain. Taxe foncière. Il me faut de l'argent. Donc j'enlève des trucs qui coûtent trop cher, mais... Argent, hein. Enlève santé pour tous. Ah, soin pour tous, je peux plus l'enlever, putain. J'avoue que ça aurait été parfait, le soin pour tous à enlever. Je peux pas cliquer là sur ces deux trucs. Je sais pas si c'est parce que c'est trop tôt ou... Service de bus, service d'ambulance. Et bon, ça fait qu'on va pas avoir... Tu vois, l'école primaire, mais école primaire, c'est quand même... C'est quand même important, quoi. Condamnation pour vol. Contrôle de la pollution, je pourrais peut-être... peut-être tège. Juste avant l'élection, c'est peut-être pas le bon plan. Le bon plan, pardon. Un membre a quitté son parti. Ah, Manon s'est barré. Bon, c'est la vie, hein. Ah, mais celle que je venais de recruter, non? Je venais de la recruter, elle s'est déjà barrée. Quelle pute. Oh, pardon, mais... 24%. 9 sièges, 8 sièges. Ouf, sachant qu'il y a une grosse montée des bleus et noirs. Aïe, aïe, aïe. Petite clim, là. Situation de petite clim, là, quand même. Aïe, aïe, aïe. On se présente sans conviction à l'élection. Ah, 57%. Ah, mais c'est parce que l'autre est mort. Du coup, lui, il vient de reprendre le parti. On le connaît pas. À 75 ans, il va mourir aussi, d'ailleurs. Bon, 7e mandat de suite pour Lucille. Mais là, on est en cassage de gueule global. Taxe de pollution, on doit garder tout ça, les gars. Vous êtes des malades, vous êtes en train de ruiner le pays. Vous êtes en train de ruiner le pays. Moi, je veux plus présider sous ces lois-là, là. Protection de la variété des plantes. Ah non, autant tège un truc environnemental qui nous rapporte des sous. C'est juste pour que les gens puissent s'exprimer. Oh, je suis à moins 4, là. C'est la merde. Là, c'est la merde fort, là. C'est la merde. Taxe foncière. On va remettre la taxe foncière. Ah, il faut limiter les dégâts, là. Approuver. Oh, vous, on n'y arrivera jamais. Ah, oh, c'est bon. Ça passe. On va passer à moins 2. Non, mais dans l'ensemble, là, on est foutu là. Il est revenu plus intelligent, Arthur. Je pense que là... Merde. Là, je vais pas vous mytho, c'est la merde. Ah, Adam, il a même plus de siège. Tiens, on va distribuer un peu de flyers, toi. Trop de santé. Ouais, mais j'essaye de... J'essaye, hein, poteau, mais... Je pense qu'il faut attendre et tège le soin pour tous. Et en attendant, on prie, hein. Vote des citoyens. Ah bah, c'est difficile, quand même, de... Non, je vais refuser ça, moi. Subvention à l'agriculture. Non, on garde. C'est important, quand même, la nourriture, hein. C'est ce qui fait qu'on est, genre, une nation en avance sur les autres. On a aboli la subvention à l'agriculture. Putain, mais vous êtes des mongols. Oh, vous êtes des abrutis. Service d'ambulance. Bon, allez, bah, on est parti, on abolit tout. Hein. Allez, on abolit tout, tout pour les thunes. On est à moins 31, c'est bientôt fini, de toute façon. Ça passe, service de bus. Pff, non, on garde. Oh, c'est terrible. Hein. Là, c'est un gros coup dur. Hein. Soins pour tous. Oh bah c'est pile ce qu'on voulait abolir. Oh, abolissez, hein. Elle peut pas mettre un... Attends. Qui va voter soin pour tous? Donc les roses vont 100% voter contre l'abolition. J'achète 2 votes. Et j'abolis. 2 votes achetés.
Ça aurait fait 15-13. Bon, ça passe à sinon, quoi qu'il arrive. On s'est mis une petite sécu là-dessus. Bon, ce qui fait qu'on est en full argent maintenant. Veto. Mais non, je voulais justement. Pour revenir à 2 sur 2. Vous avez pas compris? Bon, bah, les garçons. Légaliser la prostitution. Moi, je peux, hein. On va devenir un peu plus libéral. Non, je voulais pas veto. Je voulais être sûr que la loi passe. Boum. Bah là, on est en full argent, là. École primaire. Non, ça, on garde. On garde. On garde l'école primaire. On est bien. On va remonter. On a bientôt la... On a bientôt, comment ça s'appelle, les stades, là, qui vont faire Jeux Olympiques, Ligue de Football, et des victoires sportives qui peuvent nous faire du bien, naturellement. Des éléments extérieurs. Oula. Manon a quitté le parti. Julie a quitté le parti. Ok. Adrien, je te mets une petite prime. On sent que c'est un peu tendu, potentiellement, pour certains. Maison de retraite. Bah, maison de retraite, ça a l'air de bien se passer, hein. Logement. Putain, la nourriture, on est dans la merde. On va pas faire une grosse année, là. On va faire une année avec peu de coupes. Hein. Peu de coupes. Putain, c'est chaud, là, niveau thune. Hein. On se fait abandonner massivement. Moi, j'essaie de tenir la tête du parti, mais... Pff, je vois que vous soutenez bien, en plus. Ça fait plaisir. Le vote des citoyens. C'est quoi, du coup, le vote des citoyens? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas abolir ça. C'est border, quand même. C'est border d'abolir le vote des citoyens. C'est particulier, non? Annule le vote des citoyens. Ah bah c'est... 24% après, c'est bien. 10 balles, putain. Non, il coûte 5, je crois. C'est peut-être en promo. Ça repart sur du Coromingo bientôt. Ouais, bah quand j'arrive à le choper... C'est Logiverse, le jeu. Je vais voter au milieu, moi. Ah, il y avait aucune chance que ça passe si je votais tout à la droite. Ah, mais... Ah non, 3... 3, 6, 8. Non, c'est bien, j'ai bien mes... J'ai mes 8 sièges. Jeux Olympiques. Ligue de football nationale. Légaliser les jeux d'argent. Dégage, dégage. On garde. Fort. Super. Là, faut qu'on revienne dans une belle économie, là. Les gens sont quand même heureux. Droit de timbre. Bah, moi, je peux approuver ça, hein. Le truc, c'est que c'est les noirs qui vont accepter. 3, 6... Les bleus vont dire non. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, je vais refuser, je pense. Ah, tout le monde commence à me détester. Je décline. Avec mes 8 votes, oh, ça aurait pas changé grand-chose. 15, hein, techniquement. Ah, mais il y a lui qui a voté. Vincent, il fait tout à l'inverse de ce que je dis. Cet enfoiré, là. T'oublies trop de regarder ce qui donne des coupes cette année. J'avais pas compris que c'était cet onglet-là qui changeait chaque année. Je savais pas que c'était ça. En fait, on m'avait dit que c'était les pommes, mais parce qu'à un moment, il y avait les pommes dans la nourriture. Or qu'en fait, chaque année, il y a un objectif, et quand t'es premier dans cet objectif, t'as la coupe. Et là, c'est l'année, cette année, c'est le libéralisme. Après, on est pas mal. Toutes les nations ont la meilleure valeur, obtiennent 1 à chaque fin de chaque année. Putain, la première nation en termes de développement démographique obtient 2. La seconde, 3. La seconde, 3e et 4e obtiennent 1 à la fin de chaque année. Putain. Vous avez pas compris. De rien, frérot. Ah ouais, merci. Ah ouais, parce qu'on savait pas où diriger le pays, nous. Bon, je propose une petite interview. Ça fait longtemps. Lucille qui nous fait un petit message à la nation. Petit message qui met bien. Bonjour. Bonjour, petit message à la nation. Petit message à la nation qui sécu. Taxe de pollution, ça approuve ça. Ça approuve. On est niveau thune très très bien. Soonfox, merci beaucoup pour le deuxième mois. Bon, l'heure des votes. Je suis toujours le premier parti, j'ai récupéré un siège. Je récupère un siège quand même, hein. Les verts sont en train de revenir. Les verts sont en train de revenir dans la game et les verts, c'est les seuls qui m'aiment bien. Sans les verts, je suis mort, hein. Bon, on a pris une coupe, du coup. Cette année, c'est quoi? Cette année, c'est la santé. C'est la santé où faut être chaud. Ah ouais, mais ça aurait tellement changé!
Ça aurait tellement changé si j'avais fait autre chose, je comprenais pas du coup. Ok. Moi je mettais la nourriture et tout. Ah ouais, les blancs ont disparu. Ah, y a Nolan S et tout là, les mecs des autres parties. Ah, et du coup c'est fini pour les blancs. On les voit même plus. Partis en mouvement. Ah bah si, ils sont encore là, mais... Ouais, est-ce que je chausserais pas un petit coulée verte, hein. En mode, ça fait plaisir que vous soyez là. Je vais saucer un peu les verts. C'est la mif. Voilà, plus 3. J'ai mes alliés. J'ai mes alliés qui sont en train de reprogresser. Et comment j'ai beaucoup de population? Comment je grandis en population? Pour comprendre ça? Parce que ça, c'est le truc où je suis pas sûr encore. T'aurais dû saucer les rouges. Heureux, non. C'est le bonheur. Ok. Oh merde, l'élection, Lucille. Oh, Lucille, 59%. Lucille qui nous enchaîne un 8e mandat. Ah, il faut être heureux. Après, on est à plus 4, là, déjà, au moins. On est dans le positif en argent. Ça fait très plaisir. Marché, alors. Les deux trucs. Chemin de fer, c'est Canal+, liberté, bien parler d'une idéologie, mal parler d'une idéologie. Service postal, accident de train. Taxe sur le café, taxe sur le tabac. Hop là, on va choisir le marché. Hein. Parfait. C'était pas le 8e mandat, il y a 3 mandats. Non, non, elle les cumule, je sais que... Éducation sexuelle. Nous, là, ce qu'on doit focus, du coup, c'est la santé. Oh la vache, ils ont déjà 5. Mais c'est des forceurs. C'est des forceurs de ouf, les Espagnols. Genre, ils veulent des coupes à tout prix. Après, on a 14 coupes, on est toujours en premier, les premiers. Ok, il va falloir qu'on charbonne, là. Éducation sexuelle, ça nous coûte 1. On est déjà bien. Hein. On est déjà bien, en vrai. Hein. Ah, mais les verts, c'est les verts. Vas-y, j'approuve. C'est le truc des verts. Je suis avec eux. Vas-y, je passe votre loi. J'ai bien parlé de vous. Je valide derrière. On est ensemble. 200 ? 193. C'est pas mal. Bibliothèque publique. Ah là, vous forcez, là. Oh, ils vont tous voter. Ils vont tous voter oui. Ils vont tous voter oui, on est niqué. Je peux pas veto ? Ok, je veto. Allez ! Comme ça, on garde une bête d'économie. C'est propre, ça. Un membre a quitté son parti. Ah, Arthur H qu'on avait formé. Ah non, c'est un autre. Parce qu'il y a Arthur O maintenant. Ok, on est bien. Victoire sportive. Du bonheur. Du bonheur en barre. Magnifique, ça. Alors, limitation des véhicules. Non, non, on va décliner ça. On va décliner. Je suis assez peu chaud. Je suis assez peu chaud là pour des taxes gratuites comme ça. Condamnation pour vol. Ils veulent abroger la loi de la condamnation pour vol, mais pourquoi? Quel intérêt de faire ça en fait? Vous êtes abrutis ou quoi? Une fois de plus. Il y a beaucoup d'écolos quand même. Nous, un petit truc de santé nous mettrait pas mal. Hein. Je pense pas qu'ils vont tenir la 4. Ah, ils ont tous 5. Hein. Si je passe à 3. Non, mais il faut juste avoir la meilleure valeur. Je peux abandonner ça, je pense. Hein. Je peux abandonner d'avoir la meilleure valeur pour peut-être me focus sur autre chose. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité où je peux focus sur le bonheur, par exemple. Sachant que j'ai une bonne économie, je pourrais me dire santé, on laisse de côté. Par contre, le reste. Non, non, on veut garder. On n'a pas besoin de sous à tout prix, là. On n'a pas besoin de sous à tout prix. Il y a un didacticiel. Ouais, il y a un petit tuto au début. En fait, c'est la deuxième session que je joue et là, on va assez loin, en vrai. Le jeu, là, c'est cool, hein, quand même. On va essayer peut-être de mettre une petite loi. Des Jeux Olympiques pour être du bonheur en barre. Subvention culturelle. Pas ce qu'on a besoin le plus. Sachant qu'on est déjà bien en culture et que c'est pas l'année où faut mettre là-dessus. Un peu de bonheur en barre avec des JO, hein. Après, je pourrais mettre allocation familiale, soins pour tous,
Le soin pour tous pourrait me mettre bien, mais il me passe à 4. Tu gagnes que 1. En vrai, tu gagnes que 1. Vous m'avez dit, c'est que pour augmenter la population, c'est que le bonheur? Je pense qu'on va Gojio. Hein. On va Gojio. Soin pour tous te met à 4. Ouais, mais en fait, quand t'es la nation qui a le plus... Enfin, si la nation qui a le plus, c'est 5 et que t'as 5, tu gagnes que une coupe. Alors que là, la population, être le premier en démographie te fait gagner 2 instant. Tu vois, c'est assez propre. Et plus t'as de gens, plus t'as d'argent et tout. Et c'est la nourriture aussi qui fait augmenter ça, donc. C'est passé, hein, on est d'accord, la loi, là. Ouais, elle est passée. Magnifique. Petit message, Nolan, elle, qui est décédée. Je sens que ça arrive bientôt pour moi. Limite de mandat présidentiel. Bah non, on va garder ça tranquillement. Moi, j'aime bien cette loi. Ah, dommage. Dommage, elle n'est pas passée. C'est con. Interdiction de fumer en public. Ah, je pourrais récupérer une coupe. Par contre, c'est intéressant, je pense, si on se positionne. Parce que là, on est quand même assez bas. Ah non, c'est que les meilleurs. Putain, je suis con. Je peux prendre 32 cash. 32 cash pour la liberté d'expression. On va me casser les couilles. J'aimerais bien faire un peu de nourriture, là. Oh, non, on va pas le faire. Non, c'est interdit, en plus. Je suis con. C'est interdit. Nous, faut peut-être... Il est peut-être l'heure de faire des trucs pour la nourriture, là. Subvention à l'agriculture, ça peut être très bien. On va gagner 2 de nourriture. On va gagner 2 de nourriture, cadeau. Ça nous met que 1 de bouffe en moins. On va approuver ça tranquillement, ce qui fait que là, avec 3 de bonheur plus 2 de nourriture, je pense que notre population, ça va ken un max, là. Voilà, boum. Boum, on passe à 5, du coup, et 2. Donc la nourriture nous a fait... Nous a fait progresser. Parce que le bonheur passe aussi par là, remplir. Si je gagne 1 en transport, j'ai 1 de bonheur en plus. 1 en logement, 1 machin, j'ai sécurité aussi où j'ai fort à faire. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas gagné beaucoup de population. Hein. Les Japonais et tout, ils sont chauds. Hein. Les autres pays sont très chauds. Hein. On va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il nous faut un peu plus de bonheur, mais dans quelle limite, quoi. Taxe sur le revenu. Ah ouais, non, mec, jamais. Jamais je peux abolir la taxe sur le revenu. Faites pas ça, s'il vous plaît, hein. Ah ouais. Ton pays, c'est Farm Max. N'oublie pas de former tes gars. Ah, c'est pas con, ça. On va former lui, là. C'est pas con, ça. Alors, pour qui allez-vous voter? 24%. Il n'y a pas un mec vraiment qui vaut rien, là. 25. 30. Je vais embaucher lui, qui va juste distribuer des flyers. Histoire de nous gratter peut-être un peu de gens. École primaire. On garde, c'est important ça. Tu mets sur YouTube. Ouais, je mets toutes mes rediffs sur YouTube. Ça bouge pas. Eh, j'aime bien, hein, en vrai, bon. Là, c'est clair que si vous venez d'arriver il y a quelques minutes ou quoi, c'est clair que c'est... Là, on est sur une session deep, mais le jeu est cool. Hein. Recherche agroalimentaire. Non, c'est pareil, on garde ça. La fameuse dictature. Ah, pas dictature, juste 8 mandats de suite, c'est différent. C'est deux choses différentes. Bon, je perds un siège. Mais c'est pas mal, quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Prohibition des armes. Non, on est bien en éducation. On est bien en éducation, il nous faudrait limite plus de sécurité. C'est cool, mais finalement, ça commence à devenir pas mal répétitif. C'est un peu le souci. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on n'ira jamais à 100. Oh, et là, les autres pays commencent à être chauds. Moi, j'ai que 11 de population. Tu vois, en fait, c'est le souci de ces jeux, c'est un peu comme Not Tonight et tout, c'est que c'est des forceurs. C'est-à-dire que du coup, ils se disent, on va au bout, sauf que pour aller au bout, bah, en fait, ils font 10 heures de jeu, mais parfois, je préfère avoir, enfin, c'est même pas 10 heures de jeu, mais si j'ai un mec qui m'a dit qu'il était quasiment à 100, il avait joué genre 12 heures. Et donc, du coup, un run gagné, c'est 12 heures, bah parfois, je préfère un jeu qui est moins répétitif sur 3-4 heures, mais où tu vis une vraie expérience, tu vois. Plutôt qu'un jeu qui ne finit jamais, où au final, tu testeras jamais, quoi. Enfin, tu vois, tu n'iras jamais jusqu'au bout parce que ça t'a saoulé avant. Un peu à la Not Tonight, tu vois, où le concept est bon, mais...
mais ils font durer pour rien, quoi. Et c'est un peu dommage, c'est un peu souvent le... Oh. Égalité. Oh, les Noirs ont failli me destituer. Qu'est-ce qui se passe, du coup? Ah, oh, bah, je reste président. Ouais, là, c'est un peu trop long. Je pense on finit l'année, si vous voulez. On finit l'année, et on voit... Je vais abolir ça, comme ça on se refait des sous. Permis de conduire. Parce que là, j'essaie de les rendre heureux quand même. J'ai pas mal de sous. Permis de conduire, ça peut nous faire un de bonheur gratuit avec le transport. C'est pas mal. Ça va nous monter à 6. En population, ça va être bien. Bibliothèque publique, on n'a pas besoin de ça. Ah, ils vont tous approuver, c'est con. Ah ouais, ils vont tous approuver, j'aurais... Ça aurait rien changé d'avis. Ouais, c'est... L'éducation. Ah, c'est genre l'éducation au sens large, quoi. Bah, tout le monde approuve, non? Enfin... Qui est contre l'éducation? C'est difficile, quoi. Si votre parti n'a plus d'argent, vous pouvez toujours faire un emprunt. Bah, en vrai, ça se passe, hein. Là, c'est vrai qu'on est un peu... Là, on est en situation de farm max, quoi. Taxe automobile. Bah, ça, on garde. Ça en garde, mon pote. Tu vois, là, je suis à 6 de bonheur. Et je suis même pas dans le top, là. J'ai que 14 populations en plus. C'est 6 de bonheur, quand même. C'est pas mal, hein, 6 de bonheur. Je sais pas ce qu'ils font les autres, comment ils font ça, mais... Tiens, Vincent, va me distribuer des flyers. Ouais, marché. Atteindre le budget. Et d'un coup, on est en négatif. Oh, j'ai aboli le vote des citoyens. Ouais, c'est fait. J'ai perdu 1,5%. La tentative de dictature. Ouais, là, c'est un peu chiant. Là, pour être honnête, on a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour parce que là, en fait, bah, concrètement, là, du coup, le jeu serait de continuer ça des années, années, années jusqu'à avoir 100 coupes. Dis-toi, là, on a fait, genre, ouais, c'est rien, quoi. On n'a même pas fait un sixième du jeu, quoi, à peu près. Mais du coup, toujours avec la même mécanique, quoi. Ouais, un peu moyen, ça. Un peu dommage. C'est un peu dommage. Oh, j'aurais dû abolir, comme ça, j'aurais gagné un... Ouais, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. C'est un peu comme Sigma Theory. Non, Sigma Theory était pas mal. Tu faisais un run jusqu'au bout. Hein. On avait bien kiffé Sigma Theory. Juste, t'avais pas envie de rejouer. Là, t'arrives même pas au bout, en fait. Tu vois. Donc, il y a une différence entre le moment où t'arrives pas au bout et t'as pas forcément envie de la rejouabilité, tu vois. C'est une différence. Mais c'est clair que c'est un peu long, quoi, pour finir. Subvention à l'agriculture. On garde. Que des jeux que j'aime pas en ce moment, c'est Quelle Vie, ça. Auquel je joue? Ah ouais, moi, je... Bon... Je vois des jeux qu'on aimait bien. On a gagné une petite coupe. On est à 15 coupes, tu vois. Et là, du coup, ça aurait été le libéralisme. Mais comment les mecs font pour avoir 6? Alors, comment les Italiens, ils ont 6 dans tous les domaines, quoi? Comment ça se fait, ça? Bon, en tout cas, on est premier, quoi. Après, tu joues très lentement aussi. Bah, je regarde ce qui se passe, quoi. En vrai, j'ai pas l'impression d'être hyper lent ou de... Dernier vote. Bah, on voit si je garde... On voit si je garde la tête sur le dernier vote. Boum. Tout est acheté. Hop. J'assassine un gars du parti noir. On y va. Full. Hop. Conservateur, c'est pour nous. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Voilà. Clac. Là, on va faire des chemins de fer. Boum. 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 Du full flyer. Hop. Un membre a été retrouvé mort. Sale ambiance. Chez les Noirs, pendant ce temps, dans le bonjour, nous, on fait un discours politique. Petit message à une nation. Clac. 24,16. On vérifie juste notre popularité. On voit que c'est le Parti National, au final, hein, qui est avec nous. Sur les derniers votes...
C'est quoi, je vais même cramer pour un sondage. Pour qui allez-vous voter aux prochaines élections? 24, je vais être donc du coup contre les Noirs. Donc je vais saucer ici. Clac. Je vais saucer les socialistes qui font qu'ils voteront pour moi au deuxième tour. Boum, boum, boum. Hop. Bien parler d'un parti. Clac. Les socialistes. Boum, les socialistes me surkiffent. Hop. Là, on se fait un peu de flyer. Hop, je recrute un deuxième mec, histoire d'assurer. Hop, ça part en full flyer. Hop. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Un subeur... donneur de subs anonyme. Merci beaucoup. On a une place de plus. On a 25%. Une place de plus. Prohibition des armes. Prohibition des armes. On désapprouve ça. On décline. On décline direct. Il faut de la sécurité dans ce pays. Et est-ce qu'on va être pour la 9e fois de suite président Lucille. Game over. Game over. Game putain d'over. Voilà. La saucisse. Lucille a 100 ans. Lucille a 68 ans, hein, Lucille. En même temps que la musique, c'était beau. Rip, rip, rip. Non, mais le jeu est cool, en tout cas. Le jeu est cool, juste dommage qu'il n'y ait pas de fin, quoi. C'est cool d'avoir des fins à des jeux. On a envie d'avoir une fin dans ce genre de jeu. De savoir si on a gagné, si on a perdu, de rejouer, de refaire un run. Et le jeu coûte vraiment pas cher. Il coûte 5-6 balles, je crois. Donc on peut pas non plus tout lui reprocher. Mais j'avais envie de refaire une petite session. J'avais bien kiffé la première. Et bah du coup, c'est quand même la pire fin. Bah c'est juste qu'il n'y a pas trop de fin quoi, donc je préfère arrêter là plutôt que me refaire des... On a quand même fait... on a commencé en quoi, 2020? Ouais, on a fait 11 années quoi. 11 années, on a réussi à faire 8 mandats de suite, c'est très beau. Hein. On s'applaudit. Nix Fox, merci beaucoup pour le Prime, on peut s'applaudir quand même. Parce qu'on a commencé à 2%, hein, je vous rappelle cette aventure. Donc c'est un early access, genre il n'est pas terminé je pense. Je pense que si. Hein. Mais en tout cas pour le prix... 9 juin 2019, tu vois. J'ai joué 7 heures, moi. J'ai trouvé le jeu très sympa, tu vois. 5,69€. Honnêtement, pour le prix, on se fout vraiment pas de notre gueule, tu vois. On se fout vraiment, vraiment pas de notre gueule pour le prix. Alors, le jeu est assez répétitif, presque énervant à la longue. Je suis assez d'accord. Il n'y a que 15 pays présents dans le jeu. J'espère en voir plus avec la prochaine mise à jour. Des 3 ou 4% qui partent à chaque tour, pourquoi on ne sait pas, peut-être pour élever la difficulté, mais c'est étrange de procéder de la sorte. Les nouvelles lois que l'on obtient pour le sujet qu'on préfère sont beaucoup trop longues à arriver. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu une partie où j'ai dû attendre 2035-2040 pour commencer à constater que les lois importantes étaient là. Point positif, le rapport qualité-prix. Bon jeu pour se détendre, j'ai constaté aucun bug. Pour conclure, je vous conseille d'acheter ce jeu si vous aimez le monde politique, mais si vous achetez ce jeu en pensant multiplier les projets sur ce dernier, ce n'est pas le bon. Mais bon dans l'ensemble, ça reste un bon jeu. Ouais, je suis assez d'accord. Honnêtement, je suis. C'est accès anticipé encore ? Ouais, mais bon, ils l'ont sorti il y a... Ah non, ça va. Ah, ils l'ont sorti il y a 6 mois, 7 mois, quand même. Ah oui, j'ai eu un accès anticipé, putain, j'ai pas vu ça. Ok, donc il continue à se développer, quoi. Il continue à se développer. C'était quand la dernière mise à jour? On voit où sur Steam les dernières mises à jour? J'en ai pas marqué, des trucs un peu comme ça? Pour voir comment il se développe, justement. Non? Je sais pas. Sur la droite dans les panels. Les discussions? Et les actualités liées? On n'a pas fini le jeu, mais on vous le vend quand même. Ah, c'est là. 25 novembre 2019. New laws, animal testing, improve party. Attends. Donc là, du coup, ils ont release sur Mac. Player can now continue after defeat if they can fix negative money. Pas mal ça. Improvement to localization, back related to referendum, update, new law, sometimes a party from another country was joining the game. Ouais, ils ont corrigé des bugs, quoi. Pour un mois avoir ajouté ça, ils ont mis deux nouvelles lois. Ils sont en chill, quoi. Ils sont en chill, après, voilà. Ils ont sorti un jeu à 6 balles, hein, encore une fois. Hein, tu vois, je trouve ça bien de pas oublier ce genre de choses et... La trad est plutôt bonne, le jeu est plutôt bon, il pourrait être mieux, mais... Electron libre, merci beaucoup pour le Prime. On met combien sur 20 pour Logiverse? Comptant le prix et tout, hein, tout ça.
Moi, je pense mettre. Tu vois, je me suis quand même bien amusé sur deux sessions. J'aurais pu avoir plus de plaisir. J'hésite entre un 14 ou un 15 de mon côté. Je vois que vous êtes à peu près pareil. 14, 15, ouais. Un bon 14. Ouais, je mettrais un 14,5, tu vois. 14,5 parce que honnêtement, j'ai fait une première session de 3 heures. Je crois que là, tout l'après-midi, on a joué au final. Tout l'après-midi, désolé, hein, ça a peut-être saoulé à force. Mais j'avoue que, tu vois, genre, à regarder, je pense que c'était chiant, mais au moins, moi, ça m'a mis dedans et tout, quoi. Limite, c'est vous qui m'avez fait, tu sais, genre, c'est toujours. Tu sais, le côté répétitif de. C'est toujours. C'est répétitif, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois la limite de. Bah, t'es à 15 coupes, tu dois arriver à 100. Bon, flemme, quoi. Tu sais, le premier à 20, ils auraient juste mis le premier à 20, ça aurait donné trop envie de jouer. Premier à 20. Le premier à 20 coupes, tout arrive peut-être un peu plus vite, les recherches et tout. Bah, c'est très propre, quoi. Et, pourquoi @gotaga, tu devrais tester Pixel Piracy. Est-ce que tu t'es vraiment trompé, genre de stream? C'est ça qui s'est passé? Genre de chat? Carrément? Désolé. Vraiment, non, mais je veux comprendre l'explication. Dis-moi, explique-moi. Ils auraient dû faire partie longue, etc. Ouais, je pense, mais bon. Tu peux faire une partie personnalisée avec un but personnalisé. Ok, ouais, mais bon, du coup, ça devient deep dans le truc, quoi. Tu sais, faut aller bidouiller, quoi. Mais tu peux si jamais, quoi. Multistream. Ah, c'est peut-être un multistream, ouais. T'as bronzé, ça peut... il regarde les deux streams. Ah, c'est pas mal. Trop vieux, Pixel Piracy est pas fini de dev. Bien bug. Le mec a l'air d'avoir codé il a l'air d'avoir codé tout seul. Dans la question, il est mis jeu et tout. Ok, c'était bien pour toi. Ah, ok, c'est vite, pas de souci. Bah, je peux comprendre. La ressemblance entre Gotha et moi, c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais en tout cas, bah, écoutez, c'était une belle aventure. Belle aventure, on a réussi en plus à être président, à imposer le parti anti-bouffon au sommet. Donc, je vais changer le titre, c'est vrai que depuis le début de l'après-midi, on s'appelle Bienvenue au parti anti-bouffon. Putain. L'enfer. L'enfer. Demi, le gars qui a fait ce jeu est sur ton chat, Teyoska. Bah salut, hello Teyoska. Welcome! So you're lazy? vous avez même pas le marais avec Gotha. Eh ouais. Boum. Hop. Super, on est bon.